Oh, what's your
Je
Thank you.
Merci de vous lever pour l'hymne européen. Bitte erheben Sie sich für die europäische Hymne. Please rise for the European anthem. Monsieur le Président de la Commission européenne, Monsieur le Ministre d'État honoraire, Monsieur le Président du Tribunal de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les députés luxembourgeois et européens, Monsieur le membre du Directoire de la Banque centrale européenne, Madame la Présidente des Amis de l'Université du Luxembourg, Excellences, chers étudiants, et lycéens, chers collègues et amis. Au nom du Luxembourg Center for Contemporary and Digital History et de la représentation de la Commission européenne au Luxembourg, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à la manifestation Shaping the Europe of the Future, accueillie par l'Université du Luxembourg. Herzlich willkommen. Un grand merci aux partenaires qui se sont joints à nous en ce jour, le Robert Schuman Institute for European Affairs, la Fondation du Mérite européen, et le Bureau d'information du Parlement européen au Luxembourg. Je salue tout particulièrement les oratrices et les orateurs d'aujourd'hui qui nous font le grand honneur de partager avec nous leurs réflexions sur l'avenir de l'Europe lors de notre conférence qui s'inscrit dans le cadre du Citizens Dialogue de la Commission européenne. Les personnalités du monde académique, universitaire, diplomatique et le nombreux public présent ici, dont notamment beaucoup d'étudiants de notre université et des élèves de différents lycées luxembourgeois, témoignent de leur attachement à la cause européenne. Fidèle à sa vocation d'éducation et à sa responsabilité citoyenne, le Luxembourg Center for Contemporary and Digital History est heureux d'organiser toute une journée d'études et de débats sur le présent, le futur, mais aussi sur le passé de l'Europe. La matinée est consacrée à ceux qui font l'Europe, personnalités et élus européens qui débattront de l'avenir de l'Europe avec la jeune génération dans le cadre de cette conférence Shaping the Europe of the Future. La soirée est consacrée à ceux qui racontent l'histoire de l'Europe, professeurs et chercheurs qui discuteront avec le public les défis de l'écriture d'une nouvelle histoire de l'Europe à l'ère digitale dans le cadre du Forum Z intitulé A New Narrative for Europe, Quo Vadis, le Forum Z d'une sorte de Citizens Dialogue du CDDH. 2017 est une année charnière pour l'Europe, sous une triple perspective. D'une part, c'est l'année de la 60e anniversaire des traités de Rome et du 25e anniversaire du traité de Maastricht, traités qui ont marqué le devenir européen. D'autre part, c'est une année de grandes inquiétudes avec la mise en œuvre du Brexit, la crise des réfugiés,
la tentation de repli sur soi et la montée des populismes qui sont tant de sources de fragmentation nourrissant l'euroscepticisme et mettant l'avenir de l'Union européenne en danger. Mais enfin, c'est une année aussi d'espoir, avec la vision d'une Europe unie à 27, que le président Juncker a proposé dans le livre blanc publié au mois de mars et dans sa déclaration sur l'état de l'Union prononcée le 13 septembre devant le Parlement européen. Cette volonté d'un renouveau européen était aussi récemment au cœur d'une communication du président français François Macron devant les étudiants de la Sorbonne. Nous voici donc à l'Université du Luxembourg qui, à mon avis, serait un candidat idéal de l'université européenne envisagée par Macron. Et j'espère que cette manifestation, elle aussi, aidera à débattre l'Europe dans cette perspective critique mais engagée. Car débattre l'Europe, c'est se battre pour l'Europe. Dans votre exposé sur l'état de l'Union européenne, vous avez vous-même, Monsieur le Président, réclamé un saut démocratique. La démocratie, c'est avant tout le dialogue et la communication. Créer ou défendre des espaces de communication et des rencontres personnelles en parallèle avec l'usage de moyens de communication et d'échange numériques, voilà un énorme défi aussi bien pour la politique que pour l'université. Un saut démocratique nécessite donc un saut communicatif, non dans une logique de dissémination d'en haut vers le bas, des institutions politiques vers les citoyens, mais dans une logique de transparence et de participation des citoyens pendant le processus de prise de décision. L'Internet et les technologies de communication mobile nous donnent maintenant la possibilité. Essayons d'en faire usage positif pour la cause de l'Europe. Voilà le but qui nous réunit aujourd'hui. En vous souhaitant une belle journée sous le signe de l'Europe, je cède la parole au professeur Ludwig Neises, recteur de l'université. Merci. Monsieur le Président de la Commission européenne, Mesdames et Messieurs, et en particulier, chers étudiants et élèves, des vents favorables fut le motto de votre discours le 13 septembre dernier. Vous venez aujourd'hui rendre visite à un pays, votre pays natal, qui lui aussi a le vent en poupe et à une institution qui elle aussi a le vent en poupe. L'Université du Luxembourg. Nous sommes extrêmement reconnaissants que vous veniez nous rendre visite peu de temps après votre discours sur l'état de l'Union. C'est un symbole fort pour l'Europe, le Luxembourg et pour son université. À cette université, nous vivons l'Europe tous les jours. Nous enseignons en trois langues, français, anglais et allemand. 70% de nos enseignants et professeurs viennent du monde entier. 50% de nos étudiants viennent de plus de 100 pays différents, beaucoup ici d'ailleurs. C'est un plaisir quotidien d'écouter nos étudiants parler dans toutes ces langues, les voir échanger leurs diverses opinions, leurs cultures, leurs savoirs. Par exemple, quand je vais à midi manger ma salade dans notre restaurant universitaire, c'est un plaisir intellectuel. It is precisely because we are so international that in the notorious Times Higher rankings of the world universities, we are the most international university in the world.
Our university would not be what it is without Europe. Europe is in our DNA. All our bachelor students have to spend at least one semester abroad. Europe is a focus of many of our programs. And we have hundreds of research projects as well as a large number of joint study programs with European neighbors. All this would not be possible without the programs of the European Union, for which we are particularly grateful. First and foremost, the big research program, Horizon 2020, but then also Erasmus Plus, the very large student, but also exchange program for other people. Interreg, the international transboundary program, in addition to our national research agency, the FNR. All these activities place us in the top 200, in the top 200 best research universities, and the top 12 young universities in the world under the age of 50. Again, in these rankings. We therefore provide a unique and outstanding student experience and, not the least, a wonderful advantage for our students' employability. Now, Monsieur le Président, when influential people visit, one usually takes the occasion for a wish and tries to get money. So, do we have a wish? Yes, though a completely altruistic one. Not for us, it's for all. If you look at the successes of Europe over time, there are many, despite the scaremongering in parts of the public. Many are mentioned in your speech on the State of the Union given on September the 13th. But one story sticks out, one that should maybe be given more attention in the various scenarios on the future of Europe. It is the story of young people, you, coming together that has probably had the most lasting impact on the development of what is a fledgling but clear identity for Europe and European identity. It is they, it is you, who oppose negative thinking such as Brexit, who accept funding solidarity, who are willing to join forces between North and South and East and West. It started with bilateral student exchanges, then led to the Erasmus student exchanges in the 1980s. And since 2014, Erasmus Plus comprises several programs, including young people from all walks of life. And Madame Reding is a very active part, or used to be a very active part of Erasmus Plus. It is big. It is a big program, almost 2 billion euros per year, but tiny, tiny if we look at the challenges we face in future. That story probably is our greatest asset for the future. Let's increase it. Let's help many universities to become as international as ours. Let's bring more young and not so young people together. It is the personal experience of Europe in their own biography that fosters the European spirit and identity. Beispiele, die noch stark ausbaufähig sind, schließen ein, für Förderung, ein Netzwerk von Universitäten, die nicht nur informell oder mit Minisummen, sondern mit klaren transnationalen rechtlichen Strukturen ausgestattet sind und gut finanziert sind. Und es sollten nicht nur internationale Studenten an europäischen Universitäten arbeiten, sondern auch viele internationale Hochschullehrer. Hier gibt es noch viel nachzuholen. Die Universität Luxemburg steht mit ihrem hohen Anteil von internationalen Wissenschaftlern fast alleine da. Mindestens 10 bis 20% der Lehrstühle sollten nicht mit Landeskindern besetzt werden, die zufällig immer die Besten in den Listen sind. Weiter gehen wir zu den jungen Leuten. 10, ja vielleicht sogar 100-mal mehr Unterricht sollte es geben über Europa und seine Funktionsweisen und das schon sehr früh. Und die Lehrkräfte dazu muss man wahrscheinlich finanzieren.
Der Jugendaustausch in Schule, Studium, Beruf, Freizeit sollte auch diejenigen erreichen, die aus Schichten kommen, die Europa fernstehen. Das erfordert kluge Programme, die sie haben, kluge Leute, die sie haben, aber eben auch Finanzen. Und wenn sie die Jugend unterstützen, bekommen sie die Zustimmung der Familie gleich mit. President of the European Commission, ladies and gentlemen, in your speech on the State of the Union, you pointed out the favorable winds of the moment. We entreat you to use them to teach young people from all walks of life to sail. Help them to buy the boats, pay the trainers, lay the future for Europe of the young generation. Thank you. J'invite maintenant le ministre délégué pour l'enseignement supérieur et de la recherche de nous adresser, M. Mark Hansen. Monsieur le Président de la Commission européenne, chers invités d'honneur, chers élèves, chers étudiants, je me sens profondément honoré de pouvoir assister aujourd'hui à cette conférence consacrée au futur de l'Europe et à l'Europe du futur, conférence organisée par le tout jeune Luxembourg Center for Contemporary and Digital History de l'université avec plusieurs partenaires. Le fait que le flambant neuf centre interdisciplinaire dédié à l'histoire contemporaine et numérique du Luxembourg et de l'Europe invite à une conférence rassemblant des participants particulièrement prestigieux, constitue une preuve tangible de son dynamisme et témoigne du fait qu'il est déjà bien solidement établi tant sur l'échiquier national qu'européen. Je me rappelle en effet encore très vivement la séance d'inauguration solennelle du Centre d'histoire contemporaine et numérique qui a eu lieu le 22 mai de cette année à la Maison des sciences humaines, à quelques pas d'ici. Et je me souviens aussi parfaitement d'avoir évoqué à ce moment les défis considérables et multiples qui attendent le centre, tant sur le plan académique que sur un plan que l'on pourrait qualifier d'extra-académique ou de sociétal. L'événement d'aujourd'hui confirme à bien des égards que le C2DH est à la hauteur de la tâche. De par les objectifs qu'il s'est fixés, le nouveau Centre d'histoire contemporaine et numérique illustre à merveille les trois missions qui sont de nos jours attribuées à l'université, à savoir recherche, enseignement et service à la société. Pour ce qui est de la recherche, le C2DH a dès le départ clairement défini trois axes thématiques majeurs. L'histoire contemporaine du Luxembourg, l'histoire contemporaine de l'Europe, ainsi qu'un troisième axe consacré à la réflexion méthodologique et historiographique, et tout particulièrement à l'histoire numérique. Je pense qu'il n'est pas besoin de souligner l'importance de mener des projets de recherche de grande ampleur concernant surtout l'histoire récente de notre pays, car il est clair que si cette histoire n'est pas étudiée de façon systématique ici même au Luxembourg, elle risque de ne pas être étudiée du tout. Par contre, le fait d'analyser rigoureusement les différents aspects de notre passé récent en appliquant les méthodes scientifiques et épistémologiques modernes, y compris en menant des réflexions d'ordre historiographique, ne revêt pas seulement une importance fondamentale pour la société luxembourgeoise, mais est susceptible de présenter un grand intérêt pour la recherche internationale, dans la mesure où le microcosme luxembourgeois peut faire figure de véritable laboratoire pour la recherche historique en Europe occidentale. Les résultats de cette recherche sont censés alimenter directement l'enseignement, tout d'abord et évidemment l'enseignement en sciences historiques dispensé à l'université même. Il est évidemment souhaitable que bon nombre des étudiants qui en profitent se trouvent à leur tour stimulés et motivés à s'investir de leur côté, soit dans la recherche et l'enseignement de l'histoire.
Dans le même ordre d'idées, et voilà un aspect qui me semble aussi primordial, il importe également que les résultats les plus récents de la recherche en histoire soient diffusés dans le cadre de la formation des enseignants, aussi bien au niveau de l'enseignement fondamental qu'à celui de l'enseignement secondaire. Et voilà ce qui me mène à la troisième mission de l'université en général et du C2EDH en particulier, à savoir le lien avec la société. Car j'en suis profondément convaincu, l'université et ses différentes entités de recherche et d'enseignement ne sont pas censées évoluer dans une tour d'ivoire, se situant à l'extérieur ou au-dessus du monde réel, mais au contraire, elles en font partie intégrante. Concernant le nouveau Centre d'histoire contemporaine et numérique, il n'est pas besoin de rappeler que les attentes de la société luxembourgeoise sont particulièrement élevées. De fait, les débats des dernières années ont clairement montré qu'il n'existe pas seulement un grand intérêt pour l'histoire récente du Luxembourg et de l'Europe, mais aussi un grand besoin en discussion, d'autant que certains sujets suscitent une forte charge émotionnelle. Il revient désormais au C2EDH d'organiser et de structurer les activités de recherche afférentes, tout en assurant le transfert des connaissances ainsi acquises vers la société et en accompagnant le débat public. Et, tout bien considéré, mesdames, messieurs, la conférence d'aujourd'hui, misant sur un échange entre étudiants de l'université et personnalités aussi bien du monde académique que politique, ne constitue-t-elle pas une illustration, voire une parfaite synthèse, des trois missions que je viens d'évoquer? En ce sens, je ne peux que féliciter le directeur du C2EDH, le professeur Andreas Fickers, et toute son équipe hautement motivée de cette initiative, qui montre que le nouveau centre d'histoire et l'université en général sont loin de s'enfermer dans une tour d'ivoire, mais se veulent plutôt un phare en plein milieu de la société. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre délégué, pour ces mots encourageants. Je cède maintenant la parole au président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, pour son discours. Moyen. Monsieur le ministre d'État honoraire, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, chers étudiants et chers élèves, je suis heureux d'être de retour à Belval pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un site qui, lorsque je l'ai connu pour la première fois, était une prairie, parce que j'ai grandi à 600 mètres d'ici. Rien de ce qui concerne Belval ne m'est étranger, et rien de ce qui relève de Belval ne serait d'aucun intérêt pour moi. Lorsque nous avons créé l'Université de Luxembourg, j'étais très sceptique. Le succès de l'université, nous le devons à Mme Erna Hennig-Hochepschus, qui fut ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, et qui, avec moult arguments bien structurés, nous a convaincus, moi hésitant, elle allant, d'aller vers l'université de Luxembourg, et je suis content de voir le succès que l'université ne cesse d'accumuler. Je voudrais tout particulièrement saluer le ministre d'État honoraire, M. Jacques Santer, qui fut toute sa vie durant, couvrant la mienne, mon chef. Et j'étais un successeur né. Jacques Santer était secrétaire parlementaire, je suis devenu secrétaire parlementaire. Il était secrétaire d'État au travail, je suis devenu secrétaire du travail. Il fut ministre du Travail, je suis devenu ministre du Travail. Il fut ministre des Finances, je suis devenu ministre des Finances. Il fut Premier ministre, je le suis devenu. Il devint président de la Commission, je le suis. Et donc, je te regarde avec attention pour mieux appréhender
la prochaine étape de ma biographie. À parler de l'Europe est à la fois chose facile et entreprise difficile. Si on aborde le vaste sujet du futur de l'Europe, il faudrait d'abord se pencher sur son passé. Je n'ai pas le temps pour ce faire, bien que ce passé s'étend sur une très longue période, mais nous vivons aujourd'hui sur un continent européen pacifié grâce à l'action de l'Union européenne et grâce à d'autres apports qu'il ne faudrait pas tous énumérer parce qu'ils enlèveraient de l'importance à l'apport propre qui fut celui de l'Union européenne. Mais si on essaye de s'imaginer l'Europe telle qu'elle sera demain, si on essaye de comprendre ou d'essayer de comprendre quelle peut être la place de l'Europe dans le monde, il faut tout de même jeter un regard sur le monde qui est en train de naître. Quel sera ce monde dans lequel l'Europe de demain devra trouver sa place? C'est un monde qui se distingue par plusieurs facteurs, dont le premier est une dimension essentielle que les Européens aiment ne pas voir. L'Europe est de très loin le continent le plus exigu de la planète. Alors que les Européens pensent qu'ils ont tant de titres à faire valoir pour se prétendre maître du monde, que nous ne sommes pas, et d'ailleurs le monde n'a pas besoin de maître. Je suis pour un monde multipolaire et multilatéralement organisé, donc le monde n'a pas besoin de maître. Le territoire de l'Union européenne couvre 5,5 millions de kilomètres carrés. C'est très petit. 44 pays, si je prends le continent dans son ensemble, 27 pays nés après 1989, après la chute du mur, en Europe même et à la périphérie immédiate de l'Europe, avec tous les conflits non encore maîtrisés, certains gelés que cela a entraîné. La seule Russie fait 17,5 millions de kilomètres carrés. Pense-t-on vraiment qu'on peut penser l'avenir de l'Europe sans avoir à l'œil la grande Russie, notre première grande voisine, avec laquelle, d'une certaine façon, et en n'oubliant pas les conflits qui existent, nous devons absolument renouer. L'Europe, aujourd'hui, est économiquement forte. L'Europe représente aujourd'hui 25% de la richesse globale, du PIB mondial, si vous voulez. D'ici quelques années, ce sera 15%. 15%. Donc, nous perdons proportionnellement en importance économique. Et puis, comme la politique est l'intersection entre la géographie et la démographie, il faut avoir à l'œil la démographie européenne, qui est très faible. Les Européens représentaient 25% de la population mondiale au début du XXe siècle. Aujourd'hui, 5, 6, vers la fin du siècle, 3, 4. 3% d'Européens sur une population mondiale de 10 milliards. Aucun pays européen aura plus que 1% de la population mondiale, alors qu'au début du XXe siècle, nous étions parmi les plus grands. Aucun pays de l'actuelle Union européenne ne sera plus membre du G7 d'ici 25 années. Même les plus grands vont découvrir qu'ils sont très petits si l'Europe ne leur renforce pas les muscles. Devant cet état, géographie, économie, démographie, et la Commission sait tout faire, mais nous ne pouvons pas organiser la libido continentale. Ça restera comme ça. La population européenne va continuer à diminuer. Si on a à l'esprit ces trois éléments, on voit aisément que la seule issue, la seule sortie même qui puisse exister pour l'Europe, c'est l'intégration européenne. Nous rediviser en catégories nationales au moment où l'Europe perd en influence du point de vue démographique et économique,
ce serait une lourde erreur. Alors mon plaidoyer n'est pas un plaidoyer d'un euro enthousiaste, je ne l'étais jamais. Mais je crois qu'il faut expliquer aux Européens que nous avons tout à gagner à mettre nos forces ensemble. Et si nous mettons nos forces ensemble, nous sommes capables des plus grandes performances, des plus grandes, sans le savoir et sans revisiter avec le bonheur qui devrait accompagner cette visite les grandes réussites et les grands succès de l'Europe. Qui aurait cru en 1947 que l'Europe serait restée un continent de paix? Rares furent ceux qui le pensèrent. Qui aurait pensé en 85 du siècle écoulé, lorsque Jacques Delors a lancé l'idée d'un grand marché intérieur, que ce grand marché intérieur verrait le jour, bannissant sur sa marche forcée toutes les barrières commerciales et autres qui existèrent à l'époque entre les différents pays européens? Qui aurait pensé, lorsque Pierre Werner, en 1973, a lancé son plan sur l'union économique et monétaire, que nous serions capables de fusionner en un seul geste 19 monnaies nationales en une monnaie européenne qui aujourd'hui nous protège et qui, si elle n'existait pas, aurait eu pour conséquence, lors des différents conflits militaires et lors des crises économiques et financières auxquelles nous avons assisté, si l'union monétaire n'avait pas existé, nous serions tous devenus plus vulnérables et in fine plus pauvres. Qui aurait pensé en 1989 que les deux poumons de l'Europe pourraient un jour recommencer à respirer ensemble? Nous avons réussi grâce à un effort auquel Jacques Santer a pris une part essentielle. Nous avons su réunir l'Est et l'Ouest de l'Europe. Nous avons, sans prendre les armes, réussi à réconcilier l'histoire et la géographie européenne. Grand succès, succès inégalé par les performances des autres à travers le monde. Maintenant, dans ce contexte, il faudra trouver la place qui devrait être la nôtre au cours des 50 années à venir, raison pour laquelle la Commission a proposé un livre blanc qui comporte 5 scénarios. Je ne vais pas trop vous emmerder avec ça. J'ai fait des discours, on fait des discours, mais les discours ne remplacent pas une politique. L'essentiel pour l'Europe est de remettre le social au cœur de l'action publique européenne. L'Europe se distingue par son modèle social. Ce modèle social, si imparfait soit-il, n'a jamais trouvé amateur dans les autres parties du monde. Personne n'a su établir, construire un modèle social comme nous l'avons fait. C'est pourquoi j'ai proposé un socle de droits sociaux minimaux aux États membres. Nous verrons d'ici quelques semaines, lors d'un sommet spécial extraordinaire en Suède, ce que les États membres en pensent. Parlons du social. Je veux dire un mot au sujet de la cohésion économique et sociale de l'Europe. C'est une grande politique, celle de la cohésion. C'est une politique qui coûte. Et c'est une politique qui ne mène pas toujours au résultat voulu parce que la disparité entre nos régions en Europe va croissante. Et les inégalités à l'intérieur de nos différentes sociétés s'accroissent. Il faudra ne pas voir que là réside un risque majeur pour notre vivre ensemble. Si nous voulons donner du sens au temps présent en réfléchissant à l'organisation de l'avenir, on ne peut pas faire le détour de l'Afrique. L'Afrique est notre continent voisin, un continent au potentiel énorme, un continent en fait riche, avec malheureusement, vu les dérapages des gouvernants en Afrique, des habitants très souvent pauvres. Mais d'ici quelques années, 400 000 jeunes Africains vont arriver sur le marché du travail. Il faudra donc que d'ici là, pour ce qui est de la politique des réfugiés,
de la politique migratoire, nous changions notre fusil d'épaule. Je plaide résolument pour un investissement plus prononcé des économies européennes et de l'économie européenne en Afrique. J'ai proposé un plan d'investissement extérieur, FCI externe, qui porte sur 44 milliards pour inciter les entreprises européennes à investir en Afrique. Au lieu de jeter ces pauvres et malheureux dans les mers, il vaut mieux investir sur place pour que les jeunes Africains puissent trouver une véritable perspective d'avenir sur leur continent eux-mêmes. Les États membres, d'ailleurs, qui aiment faire la leçon à la Commission, j'ai fait ça lorsque j'étais Premier ministre avec une ardeur invraisemblable, avaient promis de mettre eux aussi à notre disposition 44 milliards, rien, 250 millions jusqu'à ce jour. Et je lis dans tous les grands discours, aux universités, dans les cénacles divers, un fervent plaidoyer pour l'Afrique. Qu'ils payent, qu'ils mettent leurs ambitions au niveau de leur discours et qu'ils nous aident à financer tous ces programmes. Parce que lorsque l'Europe prend en main l'investissement, ça fonctionne. Lorsque j'ai commencé mon mandat, en novembre 2014, l'investissement européen était en panne. Le niveau de l'investissement public était de 15% inférieur à 2007, année charnière de la crise économique et financière. Alors, nous avons lancé, pour un montant d'investissement de 325 milliards, augmenté durant les mois écoulés à 500 milliards jusqu'en 2020, nous avons lancé le plan d'investissement, plan dit Juncker. D'ailleurs, plus personne ne parle du plan Juncker. C'est devenu un succès, alors qu'au début, tout le monde me disait « it will be a total failure ». Et donc, on voulait pré-identifier celui qui serait responsable de l'échec. Et donc, on dit « voilà, c'est le plan Juncker ». Maintenant, c'est devenu FCI, parce que ça fonctionne. Mais c'est le même. Et ça démontre que nous pouvons mobiliser les investissements en Europe si nous conjuguons nos talents, nos énergies, nos efforts, et pas tellement d'argent, puisque le plan dit Juncker à l'époque coûte le budget européen 25 milliards par année. Mais via les mobilisateurs internes de ce plan, nous pouvons dépenser autrement plus. N'oublions pas le changement climatique et faisons en sorte, indépendamment de ce que peuvent dire les autres, de l'autre côté de l'Atlantique. Faisons en sorte que cette ambition européenne ne retombe pas. N'écoutez pas ceux qui disent que tout cela est de la littérature. C'est la réalité d'aujourd'hui. Le changement climatique est en cours, on le voit à chaque instant et partout, et donc il faudra que sur ce point, l'Europe ne baisse pas sa garde. La même remarque vaut également pour la lutte contre le terrorisme, un des fléaux des temps modernes. Lorsque j'ai pris mes fonctions à Bruxelles, je n'aurais pas pensé que ma commission, si vous me permettez l'emploi de ce prénom possessif excessif, je n'aurais jamais pensé que nous aurions affaire à une véritable polycrise. Crise de l'Union monétaire, Grèce sortie de la Grèce, maintien de la Grèce, Grèce dehors, Grèce dedans, la crise, petit mot pour un grand malheur, qui frappe jusqu'à ce jour la Syrie, une crise économique qui mettait en cause nombre d'acquis européens, avec une crise qui nous a vu évoluer élégamment, bien que trop lentement, vers la porte de la sortie. Nous avons créé en Europe, depuis 2014, 9 millions d'emplois. 9. Ce n'était pas la Commission. Mais si nous avions vu le niveau du chômage augmenter de 9 millions, c'eût été la Commission, je vous l'assure. Jamais dans notre histoire,
il y avait autant d'Européens, de salariés européens qui avaient un emploi. 230 millions d'emplois occupés en Europe, un taux d'emploi qui dépasse celui des États-Unis, alors que nous étions habitués à des taux d'emploi européens inférieurs à ceux des États-Unis d'Europe. Nous devons continuer. Lorsque l'économie va mieux, il y a chez les hommes politiques, chez les acteurs économiques, comme une pause méritée qu'ils devraient incessamment prendre. Or, la croissance économique européenne, tout en étant meilleure qu'elle ne fut, puisque la croissance aujourd'hui a atteint les 28 États membres, reste fragile, molle, faible. Et pour pouvoir affronter les problèmes démographiques du monde à venir, il faudra absolument que la croissance européenne prenne davantage de couleur. Tout comme, d'ailleurs, nos politiques de défense. La Commission n'est pas en charge de la politique de défense européenne, c'est l'affaire des États membres, raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Donc nous avons fait des propositions. Certains disant que nous étions devenus fous, ce qu'ils auraient déjà pu remarquer auparavant. D'autres disant que nous avons des ambitions excessives. Voyez-vous, lorsqu'il s'agit de la défense, il faut réagir à plusieurs événements qui longent la première décennie et la deuxième décennie de ce siècle. Les États-Unis d'Amérique, Trump ou pas Trump, mais surtout Trump, se détournent de l'Europe, deviennent les spécialistes du Pacifique et oublient leur savoir transatlantique. Donc on ne peut pas considérer que la protection du continent, que les politiques de défense seraient assumées quant aux responsabilités à prendre par les autres. Il faudra que nous-mêmes nous nous occupions de notre défense. Je ne le dis pas parce que du jour au lendemain, je serai devenu militariste, loin de moi, Weichesatam. Mais il faut le faire, non pas pour faire la guerre, mais pour concentrer notre action militaire qui doit être une action pacifique, ouverte sur le monde et caractérisée par une solidarité qui doit durer. Nous devons réorganiser la défense européenne. Il y a en Europe 173 types d'armement. 173. Aux États-Unis, 30. Il y a en Europe 17 modèles de tanks. Panzer, on dit tank en français. Oui. Oui, parce que je vis en Belgique, donc mon français s'effiloche un peu. Aux États-Unis, 1. Nous avons plus d'usines d'hélicoptères que nous avons de clients pour des hélicoptères en Europe. 80% des marchés militaires sont des marchés strictement nationaux. Donc, si nous regroupions tout cela d'une façon intelligente, dans un effort et un élan collectif, nous gagnerons beaucoup d'argent et nous deviendrons plus efficaces. Parce que tout en ayant la moitié du budget de la défense américaine, nous n'avons qu'un niveau reflétant 15% de l'efficacité américaine, à la comparer au nôtre. Donc, il faut marcher ensemble pour mieux prendre. Évidemment, il y a des risques nombreux, parce que les chocs asymétriques qui nous viennent de l'extérieur sont nombreux. Il y a l'énorme défi du terrorisme. Encore ce matin, il y a eu un attentat à Stockholm avec des morts. Il y a la crise climatique où la société internationale peine à garder le rythme que nous avons adopté lors du sommet de Paris il y a 2 années. Ce n'est pas une petite chose que celle qui concerne le changement climatique, l'investissement nécessaire dans les énergies renouvelables.
une nouvelle réflexion sur notre façon de bouger, d'être mobile. Tout cela mérite non seulement réexamen, mais changement profond de nos gestes collectifs lorsqu'il s'agit de ces aspects-là de la vie. Nous devons investir dans le numérique. Le numérique, le digital, c'est le grand avenir de l'Europe. Vous savez, si les États membres suivaient dans leur sagesse les propositions que la Commission a faites en la matière, nous aurions devant nous des nouveaux océans économiques et sociaux. L'Europe digitale, l'Europe numérique, c'est 450 milliards par année de valeur ajoutée. C'est plusieurs millions d'emplois. Mais comme le numérique s'imposera à nous, il faudra préparer ceux qui travaillent en Europe à être capables de nager dans ce canal. Donc il faut accorder une importance accrue à l'éducation. Et non seulement, monsieur le recteur académique. Moi, je suis un très grand fan du programme Erasmus+. Dans mon cabinet, la moitié des gens sont passés par Erasmus. Et d'ailleurs, comme les autres Erasmusiens, on fait beaucoup d'enfants. Parce que sur les quelques millions d'étudiants Erasmus, jusqu'à ce jour, nous comptons 1,5 million de bébés descendants directs d'Erasmus, ce que lui ne soupçonnait pas lorsqu'il a fermé les yeux. Et donc, il faudra continuer, y mettre plus d'argent. Je le dis pour Erasmus+, qui doit être élargi vers les collégiens et vers les apprentis. Ce n'est pas seulement une affaire universitaire. Il faut aussi élargir vers les collégiens l'offre Erasmus. Et nous continuerons évidemment à mettre le paquet lorsqu'il s'agit de mieux structurer les politiques de recherche en Europe, où nous ne sommes pas si mal que ça, et où la Commission joue un rôle, sans que je veuille que la Commission s'insère dans tous les compartiments et appartements de la recherche publique en Europe, laissant aux chercheurs le travail qu'ils savent mieux faire que les commissaires. On étudie insuffisamment les problèmes des réfugiés. On dit souvent que l'Europe a échoué. Oui, l'Europe a échoué. Les États membres, en fait, ont échoué. Parmi les 10 priorités que j'avais en me présentant devant le Parlement européen en juillet 2014, mentionnées, figurait la politique des réfugiés. Et je m'entends encore dire que ce sera la grande affaire de ce mandat. La moitié rigolant, l'autre moitié plus érudite, applaudissant. Et nous avons fait des propositions. Les États membres ont adopté des décisions, mais les États membres, certains États membres n'arrivent pas à les appliquer. C'est la première fois dans l'histoire de l'Union européenne qu'une décision est prise à majorité qualifiée et n'est pas appliquée par certains États membres. Ils peuvent introduire des recours, mais les recours n'ont pas d'effet suspensif. Il aurait donc fallu qu'ils les appliquent. Nous sommes une communauté de droit. La norme juridique doit être appliquée dans tous ses aspects et dans toutes ses dimensions. Et je le dis en regardant un peu vers l'Europe centrale. Je voudrais que dans les pays, disons, récalcitrants, on se ressaisisse et qu'on n'oublie pas qu'être parti d'une famille signifie accepter les mêmes règles autour de la même table. This brings me to Brexit. Non, zuerst. Das wird mich dazu bringen, über Katalonien ein paar Sätze zu sagen. Und das sage ich auf Deutsch, damit man das weniger gut in Katalonien versteht. Also ich bin kein Spezialist katalonischer Fragen, im Gegensatz zu Frau Reding, die sich da zum größten Vergnügen der Katalonier dauernd herumtreibt und mir gute Ratschläge immer wieder mit auf den Weg gibt, die ich auch umzusetzen versuche, weil ich schon vor längerer Zeit
auch den spanischen Premierminister gebeten haben, Initiativen zu ergreifen, damit die Lage in Katalonien nicht außer Kontrolle gerät. Einiges wurde gemacht, vieles blieb unangefasst. Aber ich bin sehr besorgt, weil das Leben in Gemeinschaften so schwierig, so mühselig geworden ist. Jeder versucht ab irgendwann, sich wieder seiner Identität in einer Art und Weise zu erinnern, dass er denkt, diese Identität wäre nicht mit anderen in Zusammenhang zu bringen. Wenn wir es zulassen, aber es ist ja nicht unsere Sache, dass Katalonien sich abspaltet, werden andere dies auch tun. Das hätte ich nicht gerne. Ich hätte nicht gerne eine Europäische Union, die in 15 Jahren aus 98 Staaten bestehen will. Es ist schon mit 28 relativ schwierig, mit 27 nicht einfacher, aber mit 98 stelle ich mir das regelrecht unmöglich vor. Und deshalb muss man dann die Verantwortung sehen, alle Akteure appellieren. Und ich würde hier gerne erklären, wieso die Kommission sich da nicht einmischt. Weil uns erreichen Appelle feierlichster Art aus allen Teilen der Welt. Juncker soll vermitteln. Tut er nicht. Tut er nicht, weil wenn die Kommission oder Präsident Tusk, Europäischer Rat, sich in Bewegung setzen würde, wenn eine Partei nur um Vermittlung fragt, dann wird dies zu erheblichen Verwerfungen in der Europäischen Union führen. Und deshalb kann man das nicht, darf man das nicht tun und kann man das nicht tun. Ich vermittle oft zwischen Mitgliedstaaten, Kroatien, Slowenien, andere. Das kann man tun, bringt auch nicht viel, aber immerhin wird nicht geschossen, zurzeit noch nicht. Man soll diese Grenzkonflikte in Mittel- und Osteuropa nicht unterschätzen. Und deshalb bin ich auch sehr dafür, dass wir die Beitrittsperspektive zur Europäischen Union für die Westbalkanländer aufrechterhalten. Wer den Westbalkanländern die Perspektive der europäischen Integration wegnimmt, sie dieser Perspektive beraubt, dann werden wir im Balkan wieder das erleben, was wir Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts erlebt haben. Das ist eine hochkomplizierte, sich in viel irrationaler ergehende Region Europas, die unsere volle Aufmerksamkeit verdient, weil die untereinander sehr oft nicht imstande sind, sich auf ein Minimum zu einigen, müssen wir dafür sorgen, dass sie eine Ankerstelle in Europa finden, wo sie andocken können. Sonst wird es wieder Krieg auf dem Balkan geben. Und alle haben ja schon den Krieg auf dem Balkan vergessen. Ich nicht. Ich weiß, wie das war. Weil wir haben das nicht nur als Zeitzeuge erlebt, sondern auch in unserem Fall ein paar hier als politische Akteure. Die Beitrittsperspektive für den Westbalkan zwingt uns, über die Art und Weise, wie wir Europa politisch, inhaltlich führen, neu nachzudenken. Deshalb habe ich vorgeschlagen in meiner Rede vom 13. September zur Lage der Union, dass der Europäische Rat die Potenziale und Möglichkeiten der europäischen Verträge voll ausnutzen sollte. Und in den Bereichen, wo es dem Europäischen Rat anheimgestellt ist, mit Einstimmigkeit zu beschließen, also in Zukunft mit Mehrheit beschlossen werden kann, sollte man dies tun. Ansonsten der Zug irgendwann in einem Kopfbahnhof landet und wo es kein weiter nach vorwärts, sondern nur noch rückwärts gibt. Und deshalb bitte ich alle Regierungen, auch die, die sich etwas verdrießlich und missvergnügt darüber geäußert haben, neu zu überlegen, weil so können wir nicht weitermachen, wenn wir die europäischen Dinge im Griff behalten möchten. Und dann wird es so sein, dass manchmal, nicht immer, nicht prinzipiell, diejenigen Mitgliedstaaten, die untereinander einen Weg in die Zukunft erdacht haben und diesen Weg auch beschreiten müssen, dies auch tun können, auch wenn nicht alle mitmachen. Stillstand ist kein Zukunftsmodell. Aber prinzipiell und generell und kategorisch einige Mitgliedstaaten, 5, 6, 7, zu isolieren, zu identifizieren, und die sind diejenigen, die in allen Bereichen alleine weitergehen werden, denke ich. Ein weiterer kontinentaler
Fehlgriff war mir macht Sorge, dieses Auseinanderdriften zwischen Westeuropa und Mitteleuropa. Ich sage nicht gerne Osteuropa, weil eigentlich handelt es sich um Mitteleuropa. Da müssen wir Brücken schlagen. Ja, habe ich versucht, in meiner Rede zu tun, aber weil ich nicht die Zeit habe, die ganze Rede hier noch einmal zusammenzufassen, now I'm moving immediately to Brexit. That means not to the future, but to the past. Brexit is a serious issue. It came, unexpected, but not totally unexpected. Now we have to deal with the results. And the first to be impressed by the numerous disadvantages, the Brexit meaning Brexit, is entailing at the British. They are discovering, as we are, day after day, new problems. That's the reason why this process will take longer than initially thought. We had the idea that we would clear all the questions related to the divorce. It's not possible. Citizens' rights, there we are making progress. I don't even understand this problem. Why not saying easily, with common sense, which is not a political category, as we know, that the things will stay as they are. The European foreigners, as they are saying in London, they are there on the island. And so many British friends are here. So let them here and let them there. Why are we discussing nonsense like that? Citizens have rights because they are citizens, not because there's a Brexit issue which has to be discussed, and so on and so forth. We cannot find, for the time being, a real compromise as far as the remaining financial commitments of the UK are concerned. And as we are not able to do this, we will not be able to say during the European Council in October that now we can move to the second phase of the negotiation. That means the shaping of the British European future. Things have to be done. Things one has to deliver. If you are sitting in a bar and if you are ordering 28 beers and then suddenly some of your colleagues is leaving and he's not paying, that's not feasible. They have to pay. They have to pay. Not in an impossible way. I'm not in a revenge mood. I'm not hating the British. The Europeans have to be grateful for so many things Britain has brought to Europe, during war, after war, before war, everywhere and every time. But now they have to pay. En conclusion, je vous dirais qu'il ne faut pas se laisser décourager. Lorsqu'on veut faire l'Europe, construire l'Europe, faire avancer l'Europe, lorsqu'on veut essayer d'amener les Européens à s'aimer les uns les autres, ceux qui ne le font pas, parce que nous ne savons pas beaucoup de choses sur nos voisins, même proches, éloignés anyway, qu'est-ce que les Luxembourgeois savent des Finlandais du Nord? Et qu'est-ce que les Finlandais de l'Ouest savent de Belleval? Rien. Alors il faut, d'après le recteur et d'après le grand chef du nouveau truc, que j'apprécie, et le chef et le truc, il faut investir plus dans l'éducation européenne. On n'apprend pas suffisamment à l'école, à l'université, au collège, au lycée, sur l'histoire des autres, sur le réflexe, sur leur façon d'être, sur leur façon de maîtriser l'avenir immédiat. Nous ne savons pas assez les uns sur les autres et donc le monde éducatif, académique, a de grands devoirs devant eux que les autorités publiques doivent appuyer. Mais ne perdons pas courage, tout cela prendra du temps. L'histoire de l'Europe est une histoire courte, c'est un moment dans l'histoire de l'humanité. Alors si ceux qui nous ont précédés avaient la même flemme, comme on dit en Belgique et ici, s'ils avaient été des fainéants devant l'histoire, comme dirait un autre, rien ne se serait fait. En Europe, il faut avoir de la patience.
et de la détermination. Cette patience et cette détermination dont ont besoin les longs trajets et les grandes ambitions. Je vous remercie. Ja, vielen Dank, Herr Juncker, für dieses Panorama an wichtigen Themen, die die Zukunft Europas betreffen. Ich habe auch schon eine super Idee für meine neuen Visitenkarten, Le Grand Chef du Truc. Das kommt gut. Mettez l'accent sur le truc et pas sur le chef. D'accord. Ja, wir sind hier, um über die Zukunft Europas zu diskutieren, und zwar mit denen, die die Zukunft sind, nämlich den Studierenden und den Schülern, die heute so zahlreich gekommen sind. Deswegen möchte ich ohne Umschweife wirklich jetzt den Saal auffordern, Fragen zu stellen und die einmalige Gelegenheit zu nutzen, wirklich mit dem Präsident der Europäischen Kommission zu diskutieren und ja, ihre Fragen loszuwerden. Wir haben im Vorfeld viele Schüler und Studierende eingeladen, sich Gedanken zu machen zu diesem Thema. Viele haben reagiert, haben Fragen sogar schon vorbereitet, und ich hoffe, dass jetzt unter Ihnen ein Eisbrecher ist, der den Mut hat, die erste Frage zu stellen. Es gibt in den Fluren verschiedene Leute mit Mikrofonen. Ich sehe schon mehrere Hände da oben links. Merci beaucoup, Monsieur le Président, du panorama que vous nous avez présenté, des défis auxquels fait face l'Europe dans les temps à venir. Une question que vous n'avez pas évoquée, qui est chère peut-être au cœur des Français dans l'audience, c'est la question de l'agriculture, et notamment un des thèmes qui est très présent, surtout du point de vue de la protection des citoyens européens, les questions des produits phytosanitaires, et notamment des pesticides. J'aurais voulu savoir quelle est votre vision de l'avenir de l'agriculture européenne. Est-ce que nous pouvons nous tourner vers une meilleure protection du citoyen et donc une forme agriculturelle plus naturelle dans les temps à venir? Oui. Enfin, si vous commencez par me poser des questions au sujet des questions dont je n'ai pas traité, nous serons là demain matin. Je ne pouvais pas aborder tous les sujets, mais celui qui concerne l'agriculture est particulièrement important. Vous avez vu, entendu, comme moi, que le président Macron a brisé un tabou français en donnant l'impression de remettre en cause un certain nombre d'acquis de la politique agricole commune. Nous verrons à l'autopsie ce que ça donnera. Pour ce qui est des pesticides, et notamment des glyphosates, je considère que c'est une décision que les États membres doivent prendre. Parce que j'en ai marre. Si le Conseil, si les États membres n'arrivent pas à se mettre d'accord, on dit voilà, Commission décide. Même s'il n'y a pas une majorité d'États membres qui tendent dans la même direction. C'est un déni de démocratie. Un déni de démocratie. Dire que la Commission doit décider, venir à Bruxelles comme gouvernement, en règle générale ce sont des experts nationaux et pas des ministres, dire nous nous abstenons, et puis c'est de la Commission de décider, non. On ne joue plus ce jeu, que les États membres décident. La Commission a fait une proposition qu'on peut discuter. Il y avait un débat au collège qui fut très conflictuel. Je demande aux États membres de prendre leurs responsabilités au lieu de surcharger la Commission de responsabilité. Et pour la critiquer ensuite,
Ceux qui ne prennent pas position, obligeant la Commission à prendre position, sont ceux qui demain critiqueront la Commission pour avoir fait ce qu'eux, ils auraient dû faire. C'est fini tout ça. Merci. Deuxième question, là, oui. Moyen, also ich muss merci für Ihre Zeit. Oui. Ich stelle die Frage auf Deutsch. Ich glaube, das ist einfach für die Übersetzung. Meine Frage ist, wann die Europäische Kommission und die Politiker im Generellen realisieren, dass Wachstum nicht unendlich ist und dass das vielleicht wichtiger ist, sich darauf zu konzentrieren, wie man den Wachstum verteilt, als sich immer nur darauf zu konzentrieren, dass es immer mehr muss sein und das in allen Bereichen. Ich bin wie Sie, weil Sie sind das erkennbar nicht, kein Wachstumsfanatiker. Ich bin für beherrschbares Wachstum, wie ich auch für beherrschbare Globalisierung bin. Wachstum ist kein Ziel an sich, wenn es nicht zielorientiert zum Einsatz gebracht werden könnte. Und wenn wir blindes Wachstum in Europa begünstigen, dann werden wir auch dementsprechende Ergebnisse haben, nämlich im ökologischen Bereich, im Bereich des Zusammenlebens, im Bereich der regionalen Förderung, der regionalen Streuung, positive Ausflüsse, das Wirtschaftswachstum, dann werden wir scheitern. Aber wir brauchen ein bestimmtes Maß an Wachstum. Wir können unsere öffentlichen Haushalte ohne Wachstum nicht finanzieren. Wir können unsere Alterssicherungssysteme nicht finanzieren, wenn wir nicht minimales Wachstum in Europa haben. Insofern braucht es Wachstum. Aber ich hätte gerne, dass die Früchte dieses Wachstums sozialer verteilt werden. Das tun wir zurzeit nicht umfassend genug und deshalb macht die Kommission Vorschläge im Bereich der Sozialpolitik, ein unterbeleuchtetes Gebiet, nicht greifbar für die Bürger gemacht. Also kein blindes Wachstum und andere Umverteilung. La salle ici devant, peut-être. Yeah. Good morning, Mr. President. It is dramatic to let Chinese to talk about shaping the future of the Europe. Well, I'm a student of the University of Luxembourg, and I study here for computer science. Actually, I'm interested in the blockchain technology recently because I think it might be a revolution and redefined the production relationship, also the foundation of the financial industry. So my question is, what's your regulation attitude to the ICO? ICO ban caused a lot of chaos around the world, especially China. And Switzerland has become the biggest ICO protector to basically receive tax all over the world. So as all we know, Luxembourg is a well-known offshore financial center of the world. And will Luxembourg have the interest to replace the position of the Switzerland like Zug? Could you just explain to the public what ICO means? ICO means initial coin offering. You might see some news from the SEC of the United States. But as far as this is... I think that, let's see. Go ahead. Mr. Which singer? Well, maybe we can. If you have him, tell us. Sorry? You are looking for? I'm looking for the vice president of the central... the so bank... It's a question from Mr. Mesh. Yeah. But this will be done in the second part when we have the round table. He's a member of the directoire of the ECB. Responsible for everything because independent as nowhere and nobody else, so he has to respond to the questions I'm unable to respond to. Yeah,
You might refer to a public statement by a governor of Central Bank of Austria who said that we were looking into the matter. The fact is it's not the ECB that is competent in this area. It would be one of the European supervisory agencies which are in charge of market integrity, and that is the European Securities Market Agency, which is under the Commission. So I would easily... But to give you an answer, we are concerned that this is private currency, while we still think that currencies have something to do with trust. And the public at large has basically more trust in public currency than in private currency, where no one knows who is really the one who is the issuer and to what extent it is guaranteed. Thank you. Yes. That's partly true. We are never giving instructions to the body you were mentioning, whereas the ECB publicly is giving advices when it comes to this body. But that's our way of escaping to responsibility. So I think we are achieving incredible things with this debate and institutions talking to each other, which is also very difficult sometimes, but it happens here. So, yeah, I see maybe in terms of gender equality, I would like to have a female student or pupil asking a question, maybe. Where do I? Yeah, there, up on the very top. Dankeschön. Ich bin Deutsche, ich bin, studiere gerade in Frankreich und bin jetzt in Luxemburg. Und ich möchte nochmal aufgreifen, was Sie schon angesprochen haben. Warum haben wir in Europa nicht ein generelles Fach schon in der Schule, was Europa behandelt? Wenn ich jetzt nach Hause gehe und erzähle, was ich hier erlebe gerade, dann ist das immer sehr weit. Und dann ist Europa schon, ich komme vom Land, irgendwo da oben, da, was uns nicht wirklich was angeht mehr. Und ich würde jetzt gerne schon, dafür möchte ich mich auch in Zukunft stark machen, dass es an den Schulen viel mehr herangetragen wird, dass wir eben einen gemeinsamen interkulturellen Kurs haben und Europa halt so direkt in der jungen Generation einimplantieren. Warum ist das noch nicht der Fall? Also ich muss hier zu Protokoll geben, dass Schulpolitik, Kultuspolitik Sache der Mitgliedstaaten ist und nicht Sache der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission wird nie versuchen, und das wird auch ja nie gelingen, bis auf wenige Ausnahmebereiche in die Programme der Schulen in den verschiedenen Ländern Europas einzugreifen. Dies ist Sache der Nationalstaaten. Man beschuldigt die Kommission sehr, sehr oft, ihre Nase in alles Mögliche zu stecken. Und dann ist man enttäuscht, wenn man mit einer Frage konfrontiert wird, die deutlich macht, dass die Europäische Union nicht für alles zuständig ist, die Kommission übrigens auch nicht. Es wird auf allen Kanälen und in allen Zeitungen jeden Tag behauptet, Europa wäre für dies zuständig, für das zuständig, Europa müsse dies und jenes tun, sodass sich der Eindruck bei den Menschen verfestigt hat, Europa wäre für alles zuständig. Nein, es gibt auch noch Mitgliedstaaten, die ihrer Aufgabe gerecht werden müssen. Wir werden 2018 das europäische Jahr der kulturellen Vielfalt feiern und begehen. Das wird ein nützliches Jahr, wenn wir alle die zusammenbringen, die Grenzen und länderübergreifend sich auf eine zu lehrende Problematik Europas festlegen können. Aber ich mache mir darüber keine allzu großen Illusionen. Ich mache mir überhaupt nie Illusionen in Europa, weil ich habe nämlich keine. Wir versuchen ja auch Online-Kommunikation zu leben hier heute und wir haben dazu einen speziellen Hashtag für die heutige Veranstaltung Future of Europe geöffnet und da bekomme ich gerade eine SMS des Kollegen Marco Gabellini, der sagt, es gibt auf dem Hashtag eine Frage von Temon, French as the new language of the Europe of the future. You know, vous pouvez répondre en français. It's always dangerous to make jokes about that. I gave a speech in Florence in May, and I was saying, as
English is slowly disappearing from Europe, I will express myself in French. The French were happy, the British. I had a shitstorm coming from the other side of the channel. Raison de plus pour répondre en français. Je crois que le régime linguistique de l'Union européenne met les différentes langues à pied d'égalité, sauf d'ailleurs le luxembourgeois, parce que les gouvernements luxembourgeois ont toujours eu la sagesse de ne jamais revendiquer le statut de langue officielle pour le luxembourgeois, pour une simple raison, c'est que nous parlons la langue des autres. Comme les Français, les Belges et les Allemands s'obstinent à ne pas parler luxembourgeois. Das nicht wahr. Pardon? Das nicht wahr. Oui. Nous étudions les langues des autres, ce qui fait que nous parlons mieux le français que les Français, mieux l'allemand que les Allemands, et que nous pouvons nous entretenir avec les deux lorsqu'ils s'enfoncent dans un mutisme profond. J'accorde beaucoup d'importance aux langues. Les réunions du collège des commissaires se font en trois langues. Tout le monde parle anglais et moi, allemand, anglais et français. Lorsque j'étais plus jeune, Premier ministre, j'avais pris pour habitude au Conseil européen de répondre en allemand, aux français et aux autrichiens, et puis en français, en anglais, aux autres. Alors Chirac, un jour, il fait le tour de la table, il dit, regarde-moi, oui. Dans quel dialecte, je venais de m'exprimer en allemand, dans quel dialecte tu parles? Parce que les Français exigeaient toujours des ministres luxembourgeois de s'exprimer en français. Aujourd'hui, les ministres luxembourgeois s'expriment en français et les ministres français dans un anglais très approximatif. Donc, le régime des langues reste ce qu'il est. Jetzt weitere Hände hier vorne, links vielleicht. Wir haben ja auch Schüler von diversen Lyzeen hier. Merci. Moin, also mein Name ist Ben Forscher und ich bin aus dem Lycée Robert Schumann. Und ich könnte unzählige Personen aufzählen, die zum Beispiel schon gesagt haben, dass es einige ja, Vereinigte Staaten von Europa ging, den George Washington, den Konrad Adenauer, ja, an der Victor Hugo. Ich wollte fragen, was könnt ihr machen, dass es ein so weit kommt, dass wir ein ja die Vereinigten Staaten von Europa haben? Aber wie werden die ausgesehen, die Vereinigten Staaten von Europa? Werden sie eine gemeinsame Regierung haben, eine gemeinsame Staatschaft oder auch vielleicht sogar eine gemeinsame Armee? Qui ne parle pas le luxembourgeois? Shame on you. Donc, madame, voilà, parce que je t'en avais l'œuvre française, en fait, je suis à collège, je suis à On a la traduction simultanée, donc. Du luxembourgeois vers. Je pense aussi du luxembourgeois, oui. Oui, ça marche. Allez. Non, je vais répondre en français et puis je vais résumer en luxembourgeois. Lorsque j'étais très jeune, oui, je disais spontanément, par tempérament, par sentiment, que les États-Unis d'Europe étaient un but à atteindre. Je ne le dirai plus aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, les citoyens européens qui veulent être européens, enfin ceux qui le veulent encore, n'aiment pas perdre les avantages, y compris culturels, de la proximité immédiate. Les luxembourgeois sont luxembourgeois et européens. Les bavarois sont bavarois, un peu allemands et très européens. Et ils tiennent à cette façon qu'ils ont d'être entre eux d'une façon, comment dire, rassemblée. Je ne crois pas que les citoyens européens veulent
avoir les États-Unis d'Europe copie conforme ou presque des États-Unis d'Amérique. Les Européens ne sont pas comme ça, notre histoire est différente. Il a fallu des siècles à l'Allemagne de se recomposer, d'ailleurs jusque très peu. Donc, vouloir remettre tout ça en cause, donnant l'impression que l'Union européenne serait en train de s'étatiser, mais ce ne me semble pas être un concept d'avenir. Les nations ne sont pas une invention provisoire de l'histoire. Les nations sont faites pour durer et se sont installées dans la durée, même s'il y a parfois des tentatives de se défaire d'un corset national qu'on n'aime pas. Non, je ne suis plus un adepte des États-Unis d'Europe. Mais je suis un adepte d'une plus profonde intégration de l'Europe. Tout cela n'est pas une question de concept et d'instrument. C'est une question de volonté. Si notre volonté est de vivre ensemble et en paix, en respectant les uns et les autres, en Europe, nous n'avons pas besoin d'un gouvernement européen. Si je propose au Parlement de fusionner le poste du président du Conseil européen et du poste du président de la Commission pour rendre l'Europe plus efficace, et si je propose que les grandes familles politiques devraient présenter des têtes de liste aux élections européennes, on dit déjà non. Que pensez-vous qu'on me dirait si je proposais de fusionner l'ensemble des pays européens dans un grand bloc qui s'appellerait les États-Unis d'Europe? Non, j'aime l'idée, mais je la déteste. Ici devant, il y a aussi des questions, pas des étudiants, mais plutôt, j'aimerais donner la parole aux écoliers et aux étudiants, si vous permettez. Vous êtes étudiant? Oui. Je ne peux que vous encourager à poursuivre vos études. Ouais. Donc, il y a une question là-haut. Bonjour, je suis Alexandre Aix, étudiant à l'École européenne de Luxembourg 1. Donc l'avenir de l'Europe nous touche particulièrement et je voudrais vous poser une question par rapport au progrès nécessaire à l'intégration européenne. Doit-elle se faire avec 27 pays ou faut-il constituer un noyau dur comme le propose le président Macron ou une avant-garde d'un plus petit nombre de pays comme l'Allemagne et la France? Donc construire une Europe à deux vitesses. Et par rapport au projet du président Macron, faut-il créer un budget et un parlement de la zone euro, ainsi qu'un ministre de l'économie pour cette zone? Vous êtes français, monsieur? Oui. Ça s'entend parce que vous pensez que le seul à s'être exprimé à ce sujet est le président français. Oui, c'est un peu courte vue. Oui, oui. Oui. Mais je prends le point de vue que je vois le plus, mais... C'est par rapport aux déclarations. Enfin, les discours de Macron et de moi-même au Parlement européen se recoupent à 90%, comme on dit, à Bruxelles. Moi, je suis en faveur de la création d'un ministre de l'économie et des finances européennes. La France aussi, l'Allemagne aussi. Est-ce que nous nous entendons sur le contenu exact de la description de cet instrument? Non. Il y a d'énormes différences entre Juncker, Merkel et Macron lorsqu'il s'agit de donner du contenu à une idée qui m'est très, très sympathique et que je préconise. L'Europe à deux vitesses ou à plusieurs vitesses est un concept dangereux parce qu'une expression maladroite. Je pense avoir effleuré pendant mes propos brièvement ce sujet pour dire que pour moi, l'Union européenne doit toujours avancer à 27. Si cela se révélait impossible, que ceux qui veulent avancer plus rapidement le fassent et doivent pouvoir le faire sans que les autres les bloquent. Mais je voudrais que lorsque les décisions sont prises par ceux qui veulent avancer plus rapidement, je veux que tout le monde soit en salle, participe aux délibérations, puisse
faire valoir son point de vue. Ne donnons pas l'impression que nous n'avons rien d'autre en tête que de vouloir marcher à plusieurs et non pas à tous. C'est un concept que les Européens de l'Europe centrale n'aiment pas du tout parce qu'ils pensent que c'est une autre façon de l'Europe occidentale de les exclure de nombreux progrès. Alors qu'ils se trompent lourdement parce que, à chaque fois, depuis 2004, date de l'adhésion des pays de l'Europe centrale, nous avons décidé à plusieurs et non pas à 28 les pays membres du groupe de ceux qui nous ont rejoints plus tard, donc République tchèque, Hongrie, Pologne et autres, ont fait partie des différents modes de coopération renforcés. Je vous donne l'exemple qui parle aux luxembourgeois. Nous venons d'adopter un texte sur le procureur européen, qui évidemment a son siège à Luxembourg, aura son siège à Luxembourg. 21 États membres sur 28 ont adopté ce texte, y compris tous les pays de l'Europe centrale et Chypre et Malte. Mais parmi les pays membres fondateurs, il y avait quelques absents. Les Pays-Bas, par exemple, qui voulaient le siège, mais n'ont pas adhéré à ce projet. Ça me rappelle d'ailleurs la petite histoire européenne, Yves. Lorsque il fut question de fixer un siège pour la Banque centrale. D'abord, on n'a pas respecté les traités. Bon, ça, c'est un détail. Parce que les traités disent que toutes les institutions financières doivent être établies à Luxembourg. Alors, les sages de ce monde nous expliquaient qu'il y a une énorme différence entre une institution financière et une institution monétaire, donc à l'État Francfort. Qui était candidate? Je dis candidate parce qu'il s'agissait des villes. Je n'ai pas encore appris toutes les nuances de ce débat sur le français inclusif. Vous m'excuserez que je reste un homme du dernier siècle, du point de vue de la langue. Luxembourg était candidate et Londres. C'est tout de même incroyable. Yves et moi, nous avons négocié, lui comme animateur des Sherpas, et moi comme président de la conférence intergouvernementale, nous avons négocié tout ce truc britannique, exception britannique. Le Royaume-Uni et le Danemark disant via le traité qu'ils ne participeront jamais à la monnaie unique. Il est tout de même invraisemblable, au moment du Brexit, de se rappeler que la City de Londres était candidate pour le siège de la Banque centrale européenne. L'histoire se répète. Mais maintenant, j'ai oublié la question. Moi aussi. Pardon. Oui. À deux vitesses, oui, bon. Ça, c'est l'Europe. Oui, mais oui, c'était, oui j'étais en train d'expliquer que pourquoi il ne faudrait pas privilégier ce mode d'avancement de l'Europe. L'Europe à deux vitesses ou à plusieurs vitesses. Mais si on ne peut pas avancer autrement que par cette avenue-là, il faut l'emprunter résolument. Merci pour votre réponse. Bon, malheureusement, je dois regarder la montre. Les nouvelles technologies, ce n'est pas facile. Hein? Oui. Et il nous reste le temps pour une question et une réponse. Et ensuite, on va faire une petite pause pour commencer la deuxième partie. Donc, peut-être ici, devant. Oui. Ici, devant. La mademoiselle. Oui. Thank you very much. I am doing my master currently in Belgium through Erasmus exchange program. I am myself from Azerbaijan, and my question will be about refugee crisis. As there is a deal between European Union and Turkey about refugee crisis, and what do you think, Mr. President, is it a successful step to overcome migrants flowing to Europe? And what are the near perspective of this deal, as Turkey many times sent the message that they will break this agreement? Thank you very much.
I'm used to Turkish threats and Turkish warnings. And I'm taking them very often very seriously. When it comes to this agreement on refugees, I do think it's a success. It depends on how you describe a success. But the number of those coming from Turkey to the Greek islands has been reduced by 97% since the very day after this agreement was signed with Turkey. Turkey is having on its territory more than 3.5 million of refugees, more than all the European countries taken together. In fact, Europe did not receive as many refugees as people do think. In Lebanon, 25% of the population is composed by refugees. The same in Jordan. If I'm talking to the Jordan king, he's blaming us. He's saying, you are complaining and rich. We are poor and the refugees are in Jordan and in Lebanon. So I do think that we were right to engage with Turkey as far as this issue is concerned, and we are paying by the end, we will have paid by the end 6 billion euros, not to be given to the Turkish government, but to the NGOs and to all those who are developing humanitarian and health projects in Turkey. So I'm quite satisfied with the result of this, but we have other things to do. We are focused on Turkey, but I would like us to help those in the northern part of Africa and in the Middle East who are doing an even better job than the Turks are doing. And they are complaining. Morocco, Tunisia, Algeria, others. You are giving money to Turkey. What are you, how are you intending to help us? And they are right. And we have to be helpful to those countries too. So, thank you very much for these questions and your answers, your reflections, that you shared your views and opinions with us today. We will have a short break now before we come to the second part with a table ronde. But before leaving, I would like to thank you also officially in the name of the university, and our rector also has a little present for you. Voilà. Voilà. Il y a une série de timbres qui a été émise par le Luxembourg avec Belval. Et nous en avons fait un cadre. Donc ça, c'est notre magnifique campus universitaire avec les autres institutions. Peut-être à mettre à côté de votre bureau en souvenir d'aujourd'hui, de Belval et de votre pays. Oui. Merci beaucoup. So, we will be back in 10 minutes. During that time, we will see a few videos. Thank again, Jean-Claude Juncker, the president, and see you back for the discussion.
ça va. Ça va aller. 2, 3. Ça va? 3, c'est ceci. Ça va aller. Oui, je dois le synchroniser. Déjà, quand on demande à quelqu'un de venir t'aider. Non. Ça va? Ça va synchroniser tout seul. Oui, il va chercher le réseau. Oui, il va se mettre. Voilà, il est apparu. Tu vois, et il ça, va c'est normal, les griffes qu'il y a là-dessus, sous les tables, comme ça. Non, c'est pas normal. Ça va. Et demain, tu es là pour la présentation de Salamandre. Oui, je dois juste voir cet après-midi à 14h05. Voilà, l'île doit changer. Thank you.
Allô, allô. Okay. So may I ask you to regain your seats, and then we can start with the second part of this discussion with the round table. À l'université. À King's College. D'accord. Avant, vous étiez ici. Ah, donc, d'accord. Pas ici, mais à l'intérieur. Donc, c'était le bachelor ici. Et maintenant, non, c'est le master. Et à Londres, vous faites quoi? Je suis un master. Ah oui, un master en quoi? Donc, rebonjour à tout le monde. On reprend maintenant avec une table ronde composée d'étudiants et de lycéens de l'Université du Luxembourg et aussi des personnalités que vous connaissez bien sûr, des hommes politiques et des femmes politiques éminents. Je vous présenterai très brièvement les participants. Donc à ma gauche, on a Claude Turmes, qui est membre du Parlement européen depuis 1999. Ensuite, on a Mara Kroth aus Deutschland. Sie macht ihren Bachelor in Psychologie hier an der Universität Luxemburg. Dann haben wir, on a Yves Mersch, membre du Directoire de la Banque Centrale Européenne depuis 2012. Et aussi, il était gouverneur de la Banque Centrale du Luxembourg pendant nombreuses années. Ensuite, et donc pas d'homme politique. Pardon? Je ne suis pas homme politique. Pas homme politique, non. Expert. Then we have Mariana Matos Rodriguez from Portugal. She is studying in the last year at the Gymnasium Michel Lucius here in Luxembourg. Ensuite, on a Jacques Santerre, ministre d'État honoraire, Premier ministre du Luxembourg pendant la période de 1984 jusqu'à 1995 et président de la Commission européenne de 1995 à 1999. Then we have Otilia Ioana Tira, from Romania. Elle fait sa deuxième année de master en histoire contemporaine de l'Europe, ici à l'Université du Luxembourg. The next is, le prochain, Viviane Reding, membre du Parlement européen pendant 1999 jusqu'à 1999 et de nouveau depuis 2014, membre de la Commission européenne pendant de longues années et vice-présidente de la Commission européenne chargée de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté de 2010 à 2014. Then we have Max Lenners. He has done, or is doing, his master in European and International Tax Law here at the University of Luxembourg, and he's at this moment a student at the King's College in London. Et finalement, Monsieur le Recteur Ludwig Neises, que vous avez déjà entendu. Donc l'idée de cette table ronde, c'est vraiment de discuter, d'organiser un débat entre étudiants, écoliers et experts. Et je donne donc tout de suite la parole à notre première intervenante, qui sera Mariana Rodriguez, parce qu'elle est la plus jeune d'entre nous. Et voilà,
mon rôle, c'est le rôle de modérateur, mais c'est vous, les stars. So, hello everyone. I will address my question to Viviane Reding. And as you know, I'm a secondary school student and I go to an international school. So over the past few years, we have grown in diversity and we have a lot of nationalities. And in the past few years, months, we have received a considerable amount of refugee students. And I can tell that they have successfully integrated in our school community. They have found hobbies. They have somewhat adopted an European lifestyle. They're very well integrated. But as I'm in my last year, and some of them are as well, and we have to start thinking about university, this big question, what are we going to do with our lives? And some of them are really worried that they might not have a full spectrum of choices because as a refugee, they cannot leave Luxembourg because they risk losing their refugee status. And of course, they could apply to the University of Luxembourg, but as bachelors, they don't have a very wide choice of degrees you can choose. So that's a problem they're having, and I'd like to know what Luxembourg can do about this. Well, I would like to recall first what Jean-Claude Juncker has said. The way schools and universities are organized is by national decision, because the European treaties do not foresee that the European Union takes over in the organization of the school systems. Now, having said that, we in Luxembourg are very advanced concerning the integration of refugees into our school system at all levels, be it in primary school, be it in secondary school, and hopefully also, and I'm looking to the rector, hopefully also in the university. I would be very much astonished if that would not happen. Now, the rules for refugees are also very much linked to law. So it will be difficult for those youngsters who have not yet the full status of being Luxembourgish to go to other countries. For them, the solution is to start in Luxembourg, to wait that they are having a full status, and then go out for their master or for the continuation of their studies. We are very lucky today that we have arrived at the level where students can move. When I was a student, it was still much more difficult to go from university, to do the university hopping. Today, this university hopping has become a normal thing. The Erasmus generation, we're glad for you that this happened, and we hope that for these students it could be the same in accordance with a certain time where they will have to stay in Luxembourg. So Mr. Nises wants to react to that immediately. Thank you very much. I fully agree with everything you said. Maybe just one addition. You said we don't have many master's, bachelor studies here. That is true. We have 11, but that's done on purpose. We have 11 bachelors that give you a wide basis where then you could put on your specialization in terms of a master's or PhD. So what Ms. Redding just said is, I think, the appropriate way forward. Do a bachelor, these guys should do a bachelor here and then try and see where else they go. There is exceptions, of course, of studies that we don't have at all. For example, Egyptology, just to give you one. So there might be a few students, but our bachelors cover a lot of ground. Okay, thank you very much. Are you satisfied with the answers, or would you like to? Yes, I think my friends, I told them about this, and I think they're watching the live stream at school. So I hope their answer, they have gotten their answer, and I think they can always, if they are not satisfied, they can always ask. Thank you very much. Okay. Thank you. So we have a number of students who have difficulties. So we go on with the next question by Otilia.
Ma question s'adresse à M. Jacques Santer. Suite à la crise des réfugiés abordée précédemment, les mouvements populistes s'intensifient et constituent un élément déstabilisateur de l'Union européenne. Et d'autant plus, ils s'étendent désormais jusqu'aux pays de l'Europe de l'Est. Alors, ma question serait, comment peut-on aborder cette émergence des mouvements populistes? Et un excès d'intégration peut-il mener à la désintégration? Oui, effectivement, il y a une tare là, dans le développement en ce qui concerne l'émergence de certains courants d'extrême droite ou même populistes. Il faut faire la distinction entre populiste et extrême droite. Hein. Ce n'est pas la même chose toujours. Ça se dénote déjà dans le vocabulaire. Mais effectivement, il y a dans chaque État membre, il y a un courant d'électeurs qui émettent également des votes de protestation, des fois. Ça, j'ai vécu toujours dans ma vie politique. Il y a dans chaque État toujours des mouvements de protestation, etc. Il faut les canaliser, évidemment, à ce moment-là. Et je crois que la meilleure chose de faire, c'est de faire une politique qui soit proche des citoyens pour qu'il n'ait plus cet ancrage, disons. Bien sûr, on parle des réfugiés, on a parlé tout à l'heure des réfugiés. C'est un problème. Juncker vient d'en parler également, où il y a beaucoup d'émotions qui sont liées à ces problèmes et qui évidemment, sont de nature à inciter certaines personnes, comme on l'a vu d'ailleurs en Allemagne, comme on l'a vu d'ailleurs également en France ou ailleurs, dans certains grands pays, à s'écarter, disons, des partis traditionnels et font émerger un certain mouvement. Sont des fois des gens, pas seulement d'extrême droite, mais également des gens de certaines classes moyennes qui se sentent désabusés par la politique, etc. Donc il faut faire une politique qui aille vers les citoyens. Et là, l'Europe a la chance, je dirais, de faire une politique qui vise davantage les citoyens. L'Europe ne veut pas être seulement un continent, je dirais, économique, commercial, etc. Mais il faut, comme le président vient de le dire également, établir des droits sociaux dans l'Europe qui font que l'Europe donne une plus-value certaine aux gens, aux peuples, aux citoyens. C'est ça qu'il faut y aller. Je crois quand même que maintenant, il y a une tendance quand même plus pro-européenne, si on suit les dernières élections nationales, qu'elles aient eu lieu maintenant en France ou en Allemagne ou ailleurs. Donc, il faut profiter de cette situation pour faire avancer l'Europe. Et je me réjouis d'ailleurs, c'est également une question qui n'a pas encore été abordée, qu'il y a un courant parmi la jeunesse qui s'ébranle pour l'Europe. Je suis invité la semaine prochaine, le 4 novembre, à un mouvement qui s'appelle uniquement des jeunes, Stand for Europe, qui ont un congrès là à Munich, etc. Et là, il faut savoir mobiliser les jeunes pour l'Europe. Et je crois qu'il y a le moment de le faire. Et dans ce sens-là, je suis plutôt optimiste qu'on arrive à endiguer petit à petit, et grâce à une politique, avant-gardiste également, d'endiguer ces mouvements populistes ou extrémistes. Merci. On continue avec une question de Max.
Oui, en fait, ma question, c'est à M. Yves Mersch. Donc, j'ai lu en fait le discours de M. Juncker du 13 septembre 2017. Et en fait, lui, il a annoncé que l'euro, ça devait être la monnaie de l'Europe, ça devait être un facteur un peu pour intégrer les autres pays et tout ça. Et ma réflexion, c'est un peu, on a vu la crise de 2008, on a vu la Grèce, on a vu Portugal. Donc, l'euro, c'est toujours une bonne idée. Mais si on peut retourner dans le temps, vous pensez que l'euro devrait être introduit dans la même façon ou on peut changer quelques paramètres? Et la deuxième question, c'est si on va encore ajouter des wagons à ce train sans souffle qui est un peu l'euro dans ce moment, est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne idée ou on va refaire les mêmes problèmes qu'on a déjà fait pendant la naissance de l'euro? Monsieur Mersch, je sais que vous êtes indépendant, mais... Cela n'empêche pas de réfléchir. L'adoption d'une monnaie commune, normalement, se fait entre des économies qui ont des degrés de développement comparables. Sinon, le pays qui a encore un retard à faire pour arriver au même niveau va ralentir sa capacité de rattraper ses retards. Mais l'euro peut aussi, ou l'adoption d'une monnaie commune, peut aussi traduire la volonté politique de faire partie d'une union plus large. Et c'est ces deux éléments qui ont été perçus différemment dans les différentes étapes d'adoption de l'euro dans le passé. Je crois que on a vu pendant la crise, et on a vu aussi dans le vote anti-européen, que même ceux qui votaient contre l'Europe voulaient garder l'euro. Dans tous les pays, on a vu le vote des anti-européens augmenter. En fait, au niveau européen, 70% des Européens ne veulent plus se départir de l'euro sous aucune façon, même pendant les pires moments de la crise. Donc, les citoyens approuvent l'euro. Cela ne veut pas dire qu'ils aient le même degré de confiance dans les institutions. Pendant la crise, la confiance dans la Commission a chuté en dessous de 30%. Et même la confiance dans la Banque centrale européenne a diminué fortement. Elle a remonté un peu ces derniers temps. Donc, il faut faire la distinction entre les institutions et le produit. Les gens veulent une monnaie unique. Et ils approuvent cette monnaie qui est reconnue à travers le monde quand ils voyagent, quand ils vont d'un pays à l'autre. Ils voient tous les avantages de l'euro, ils sont sur la main et ils ne veulent plus s'en départir. Deuxièmement, je dirais le problème aujourd'hui, c'est que l'euro a maintenu la cohésion européenne pendant la crise. On a vu le volume de capital politique que les leaders européens ont mis pour sauvegarder l'intégrité et l'unité de la zone euro. Et certains y ont mis beaucoup de capital politique, et en fin de compte, cela a été accepté par les citoyens, mais cela a été fait au prix d'une désaffection momentanée de beaucoup de leaders qu'ils ont accepté dans leur popularité. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'euro à lui-même ne peut pas continuer à être ce qui unit les Européens. Il faut aller au-delà. Et c'est pour cela, je crois que les propositions qui ont été faites, notamment soit par le président de la Commission, mais aussi par le président français, vont dans la bonne direction, puisqu'ils élargissent le socle de communalité que nous partageons. Les citoyens européens sont bien conscients qu'ils ont besoin d'une protection aux frontières communes, qu'ils ont besoin d'une défense commune, qu'ils ont besoin de se mettre ensemble. Mais ce qui manque, et là je crois que c'est important au niveau du débat avec l'académie ou avec les étudiants, c'est comment est-ce qu'on peut traduire cela? Le président Juncker a dit qu'il ne veut pas d'une Europe unie. Il estime que l'Europe des nations doit se maintenir. C'est vrai, le traité sur l'Union européenne dit très clairement que nous sommes une association d'États souverains.
Mais le président Macron, et ça c'est pour moi la très grande différence avec le discours du président de la Commission, il parle d'une Europe souveraine. Donc d'une Europe qui soit souveraine à côté des États-nations qui sont souverains. Parce que la réalité est bien qu'une organisation internationale ne peut pas conférer des droits qui n'aient pas été conférés par les États membres. Mais l'Europe, aujourd'hui, donne des droits aux citoyens européens. Donc nous avons quelque chose qui est entre une souveraineté exclusive des États et une souveraineté partagée ou complémentaire au niveau européen. Et cela n'a pas encore été conceptualisé. Et je crois que c'est une des tâches que je crois les jeunes et l'Académie devraient faire, de conceptualiser quelle est cette définition d'une souveraineté européenne qui coexiste avec la souveraineté nationale. Merci. C'est bon ? D'accord. On continue avec Mara, qui a une question pour Claude Turmes. Genau, meine Frage geht an Sie, aber auch an die Frau Viviane Reding. Und zwar handelt meine Frage über die außenwirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Afrika und unseren sogenannten europäischen Werten, mit denen wir dahinter stehen. Dazu muss ich kurz eine kleine Einleitung geben. Und zwar Anfang der 2000er Jahre gab es Verhandlungen mit der Europäischen Kommission mit afrikanischen Staaten über das EPA, das Economic Partnership Agreement. Das bedeutet, dass auf beiden Seiten Importzölle wegfallen sollten und so quasi die Liberalisierung des Marktes entstehen sollte, also dass beide Partner, beide Seiten davon profitieren können. Die afrikanischen Länder haben das jedoch jahrelang versucht abzuwehren, haben sich dagegen gewehrt. Letztendlich hat die Europäische Kommission diese jedoch unter Druck gesetzt, und zwar mit Strafimportzöllen und Aufschiebungen der Gelder aus den Entwicklungshilfefonds. Demnach sind die meisten afrikanischen Regierungen eingeknickt. Die Folge dieses EPAs sind Billigimporte aus der Europäischen Union, die den afrikanischen Markt zerstören, die Existenzgrundlage der afrikanischen, wie auch immer, Bauern, Menschen, die dort leben, zerstören. Und das führt zu Armut, Arbeitslosigkeit und auch letztendlich dazu, dass die afrikanischen Menschen zu uns flüchten. Quasi sind das, was wir als Wirtschaftsflüchtlinge hier bezeichnen, das ist das Produkt unserer ausbeuterischen Politik, die wir dort betreiben. Nun versteht sich die EU als solidarische Organisation oder als eine Institution, die sehr viel Wert auf Gerechtigkeit legt. Und auch im Lissabonner Vertrag steht, dass Handelspolitik Ziel der Entwicklungspolitik ist. Und auch die Handelsstrategie der Europäischen Kommission 2015 hat gesagt, dass sie Wert darauf legt, dass wertbasierter Handel existiert und dass es eine besondere Beachtung bekommen sollte. Jetzt haben wir eben noch Herrn Juncker sprechen gehört, der auch sagte, dass Afrika ein Partner ist, dass die Menschen dort in ihre Zukunft investieren sollen. Macron hat gesagt, wir müssen mehr Solidarität für Afrika zeigen. Meine Frage ist daher, wieso hat die Europäische Union mit unserem Status, mit unserer Kraft das nötig? Und wie kann zum Beispiel die Europäische Kommission das moralisch vertreten, mit einer solchen ausbeuterischen Politik in den afrikanischen Ländern vorzugehen? C'est une très bonne question parce que ça montre que l'Europe fait des choses qui sont bonnes, mais l'Europe fait aussi des choses où on peut s'améliorer. Les politiques, une partie des politiques économiques de commerce avec l'Afrique sont scandaleuses parce que le seul intérêt que c'est beaucoup les pays nationaux et leurs ministres de l'agriculture, c'était de chercher des débouchés là-bas. Donc, la question a été posée au début. Pour moi, l'agriculture, son rapport de force avec des pays comme l'Afrique,
son rapport avec l'environnement, ça doit être beaucoup plus au centre. On ne peut pas continuer de suivre quelques lobbies comme Monsanto, la pression de lobbies agraires. Il faut changer cette politique et il faut aller vers un partenariat avec l'Afrique. Le président Juncker, on peut pas, c'est, lui, il n'est pas très responsable pour ce qui s'est fait avant. Moi, j'ai appuyé avec Borloo, qui était un ministre, le ministre de sous Sarkozy de l'environnement et de l'énergie, que je connais bien. Ça fait 3 ans qu'on dit à M. Juncker, il faut un plan Afrique, notamment aussi sur l'énergie. Parce que c'est quoi le problème de la pauvreté en Afrique? C'est que quand il n'y a pas d'électricité dans les villages, comment est-ce que vous voulez sortir de la pauvreté? Et donc, je suis très content que 3 ans après nos premières discussions, on a maintenant le Fonds Afrique et que ce Fonds Afrique, il va investir massivement dans les villages africains à un moment où l'énergie solaire est beaucoup moins chère et donc on peut rapidement sortir des centaines de milliers d'Africains de la pauvreté. Et c'est très très bien qu'on travaille ensemble sur ça. Après, il faut rééquilibrer, à mon avis, tous les accords de commerce. On a une planète. Comment est-ce possible, comment est-ce que vous voulez parler d'environnement et de développement durable si les accords commerciaux, le droit de trade est plus haut que le droit de l'environnement? Mais ça ne va jamais aller. C'est ça, en fait, la bataille des verts. Nous, on est pour des marchés ouverts, mais nous, on ne veut pas que le trading, le profit à court terme, soit au-dessus des normes de l'environnement, au-dessus des normes sociales et aussi du droit, par exemple, de l'Afrique de se développer. Et l'Afrique, ce sont nos frères et sœurs. Moi, ça me rend extrêmement triste qu'on n'arrive pas à mieux gérer la politique migratoire. Et écoutez, combien de morts de plus en Méditerranée avant qu'on infléchisse nos politiques? Donc il faut faire plus avec les Africains pour construire un avenir économique là-bas, qui d'ailleurs sera aussi des marchés porteurs pour nos industries et nos services et autres. Et il faut vraiment qu'on change notre politique d'accueil. On peut pas, c'est une illusion d'avoir une forteresse Europe s'il n'y a pas des portes dans cette forteresse. Il faut avoir une toute autre approche par rapport à aussi la migration économique. Il faut ouvrir une porte d'une migration économique légale. Parce que, et regardez notre démographie, nous on a besoin de plus de monde, sinon on va être de moins en moins important au niveau mondial. Donc pour moi, le problème des migrants et des réfugiés, ce n'est pas un problème, c'est aussi et surtout une opportunité. La question était aussi adressée à Madame Reding. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, beaucoup a déjà été dit maintenant par Claude Turmes et aussi par Jean-Claude Juncker. Il est clair que nous devons nous concentrer sur une nouvelle politique africaine. C'est clair et précis, mais il faut aussi savoir que n'y entre là-dedans pas seulement le commerce. Il y a aussi des problèmes de désertification, il y a des problèmes dictature, donc d'État qui ne fonctionne pas, de guerre civile. Donc tout cela, il faut le considérer aussi lorsqu'on fait une politique vers l'Afrique. Maintenant, rapidement concernant la politique du commerce extérieur. Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de démonstrations, beaucoup de non-compréhension, d'agressivité et de critiques vers la politique que mène l'Europe en entier, parce que là, c'est une des compétences de l'Europe en matière de commerce extérieur. Eh bien, nous avons entendu ce qui s'est dit. Et depuis 1 an et demi, les réformes sont en cours.
Une des réformes qui vient d'être décidée pas plus tard qu'hier par le Parlement européen prévoit par exemple les défenses que nous mettons en place et Claude, nous avons voté à une majorité écrasante pour que les considérations sociales et environnementales soient incluses dans ces politiques. Donc c'est complètement nouveau, ce qui veut dire que nous sommes capables d'évoluer et d'aller vers une politique plus saine. Un autre élément qui a été mis sur la table, c'était la manière injuste dans l'opinion publique, comment quand il y avait des différends entre des pays ou entre un pays et une entreprise, comment ces différends étaient résolus par une justice privée. Eh bien, le Parlement européen a mis sur la table une proposition qui a été acceptée par la Commission et qui est en train d'être décidée maintenant d'instaurer une justice publique avec des juges nommés pour qu'il n'y ait plus les deux poids, deux mesures et celui qui peut se payer la plus grande aide juridique gagne et une grande entreprise gagne de toute façon parce qu'elle a des moyens qui parfois sont supérieurs à les moyens d'un pays. L'Europe est en train de construire ce nouveau tribunal du commerce extérieur avec une justice publique et avec aussi une deuxième chambre pour faire un appel. Donc vous voyez, ça évolue très très vite parce que les politiques ont analysé et écouté et donc réformé. Ich würde gerne antworten. Bitte? Ja, erstmal vielen Dank an Sie beide. Ich würde gerne nochmal betonen, Sie haben jetzt sehr viele Antworten, sehr viele Erklärungen gegeben. Ich möchte einfach nochmal kurz betonen, dass ich das einfach, also ich kann nicht nachvollziehen, wieso dann auf der einen Seite Entwicklungshilfen geschickt werden und damit wird die Wirtschaft unterstützt und auf der anderen Seite wird das quasi wieder weggenommen. Also zum Beispiel Bauern, die in Kamerun sich was aufgebaut haben, können ihre Firmen wieder schließen, weil es sich einfach nicht rentiert. Sie haben jetzt gesagt, dass neue Reformen schon auf dem Tisch liegen. Die letzten Verträge mit afrikanischen Ländern wurden vor 1,5 Jahren, also 2016, abgeschlossen. Es erscheint mir nicht sinnvoll, sehr lange auf einen Vertrag hinzuarbeiten und sobald dieser abgeschlossen ist, die Reform sofort wieder anzustreben, um das, was man festgehalten hat, wieder umzukehren. Das Problem sehe ich einfach, dass diese Ausbeutung stattgefunden hat und in diesem Moment gerade jetzt immer noch stattfindet. Und meiner Meinung nach sollte man dagegen sofort agieren. Ich begrüße es sehr, dass es natürlich in Zukunft moralischere Lösungsansätze geben wird, aber das hilft den Menschen gerade nicht vor Ort und behindert natürlich, also das ist für mich wie wenn die Europäische Union sich selbst ins Bein schießt, weil diese Menschen kommen zu uns, wir wollen sie willkommen heißen, Jean-Claude Juncker spricht von Europa als einem sozialen Modell und die Menschen sterben teilweise auf dem Weg hierhin und für mich ist auch immer noch nicht die Frage der Moral beantwortet. Mich interessieren natürlich auch die Inhalte, aber die Frage der Moral und der europäischen Werte, die ist mir immer leider noch unbeantwortet geblieben. Also, ganz kurz dazu ich finde auch, dass Politik eben an Werten gemessen werden soll. Und wir haben einen Zielkonflikt. Wir haben leider noch Mehrheiten in der Fischereipolitik, in der Agrarpolitik. Die wollen vor allem Exportmärkte dann erschließen, auf Kosten, was es will. Also es sind auch viele Fischer, die in Afrika kein Business mehr haben, weil wir Fischereikonzessionen mit den halb korrupten Regierungen gemacht haben, um unsere Fischereiflotten zu stärken. Ich finde es super, dass Sie dieses Problem ansprechen und ich hoffe, also was Frau Reding geantwortet hat, also was wichtig ist zu verstehen, Demokratie ist ein lebendiger Prozess. Die ganzen Proteste gegen CETA, die ganzen Proteste gegen TTIP haben Wirkung, weil die EU-Kommission und die Länder nicht mehr wie bisher in den Dunkelkammern verhandeln können, weil die
private arbitrage, wie sie vorgesehen waren, nicht Konsens, also nicht mehrheitsfähig ist. Das heißt, wir brauchen Leute wie Sie, Leute wie, wir brauchen viele Menschen, die diese Fragen diskutieren und dann bewegt Politik sich. Gut, wir müssen, wir haben eine ganze Reihe anderer Themen noch auf unserer Frageliste, deswegen würde ich Ottilia bitten, die nächste Runde zu eröffnen. Professeur Nazes, pensez-vous que le niveau de communication entre l'université et les institutions européennes est optimal? Parce que la proximité du Luxembourg des institutions européennes est une des raisons pour lesquelles les étudiants viennent étudier ici. Considérez-vous l'université du Luxembourg tel un tremplin permettant aux étudiants de réaliser leurs projets, rêves? Et de plus, cette communication permet-elle aux étudiants d'acquérir de l'expérience dans le domaine de la politique européenne? La réponse est oui. Je pense que si vous étudiez un sujet qui peut être intéressant, donc tous nos sujets, que ce soit en sciences dures, sociales ou en humanité, en lettres, peuvent être intéressants pour faire une carrière européenne. Et évidemment, vous avez ici le cœur de l'Europe et l'université la plus internationale de l'Europe. Donc je pense que c'est une très très bonne base. Ça, c'est la deuxième partie de votre question. La première partie, est-ce que la communication entre notre université et l'Europe est idéale? Évidemment, pour le moment, elle est très bonne parce qu'il y a beaucoup de Luxembourgeois à très haut placé dans la Commission, dans le Parlement européen, tout ça. Mais c'est informel. La communication formelle entre les universités et la Commission passe par une institution qui s'appelle the European University Association, EUA, et d'autres associations. Il y a les associations des universités des capitales européennes, dont nous faisons partie pour des raisons évidentes. Et ça, c'est des facteurs de pression, des lobbies, si vous voulez, beaucoup plus importants. Or, il se trouve que l'ancien recteur de cette université, M. Tarrach, maintenant, est président de l'association des universités européennes. Donc, en ce moment, on a une très, très bonne communication, on a une influence extrêmement bonne sur la Commission européenne. Et je voudrais que ça continue comme ça. Bien sûr, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir les pays de l'Est, les pays du Sud, les pays du Nord qui veulent avoir un président de l'Association européenne des universités. Donc, est-ce que ça va rester? Je ne le sais pas. En général, les universités sont entendues en politique, mais partout dans tous les pays, on n'a pas l'influence qu'on aimerait avoir. Dans les universités, il y a relativement peu de votes qui dépendent de la politique universitaire. Si vous faites politique d'éducation primaire, secondaire, vous avez comme votant, soit pour ou contre vous, tous les parents, les grands-parents des élèves. Pour les universités, on a un peu moins d'influence. On aimerait changer ça. Madame Reding, elle a travaillé beaucoup en ce sens, mais il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Ok, merci. Now we change a little bit of topic again, because we are discussing the future of Europe, we will also look at how the future is made here in Luxembourg. And then one topic that is of interest, especially for Mariana, is the question of space mining and how this will change the future of Europe. So my question is addressed to you, which is Jacques Santerre. Forgot your name for a little bit, sorry. So, the Minister of Economy, Etienne Schneider, has admitted that one of the main goals of space mining is to, I quote, contribute to the peaceful exploitation and sustainable utilization of space resources for the benefit of humankind.
And as other countries start to join Luxembourg in this exploration, which I'm really excited about, and they start to partner up with Luxembourg, as has been the case with the United Arab Emirates, I question how Luxembourg will stay true to its promise, and how will Luxembourg ensure that private companies that are joining this project and other countries use the resources for peaceful purposes. Je vous mets tout de suite à l'aise. Je ne connais pas le dossier de space mining. Ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté le gouvernement luxembourgeois. Et je ne peux pas me prononcer sur le space mining tel qu'il se présente effectivement sur le plan concret tel que le gouvernement l'a envisagé. Mais j'étais involvé dans une autre aventure, je dirais, qui a réussi, c'est-à-dire le projet des satellites luxembourgeois, où Luxembourg a pour le moment la plus grande société mondiale des satellites. C'était également un space mining dans le ciel en ce qui concerne la valorisation et la potentialité des ondes à ce moment-là. Et là, je peux vous dire ceci. Moi, j'estime qu'effectivement, Luxembourg seul ne peut pas se livrer uniquement à space mining à côté des États-Unis d'Amérique, qui ont également une législation à ce sujet. Mais j'ai fait l'expérience qu'également pour les satellites, il fallait une conférence internationale mondiale pour régulariser les fréquences sur orbite. Et Luxembourg a eu 3 fréquences à ce moment-là, et nous les avons valorisées, d'abord à travers RTL, ensuite nous avons évidemment initié notre propre satellite, Astra, qui s'est développé, et la Société européenne des satellites, qui a été fondée le 1er mars 1985, contre la volonté de beaucoup d'États membres. Contre le monopole également des radiodiffuseurs à ce moment-là, nous avons réussi quand même à le faire. C'est pour dire qu'il faut avoir du courage de le faire. À l'époque, on a dit que Luxembourg voulait même s'approprier le ciel, les étoiles, on a dit, dans une confrontation franco-allemande à ce moment-là. Mais nous avons réussi à le faire. C'est pourquoi je tire la leçon de cette expérience que nous avons vécue. D'abord, il faut avoir une vision pour l'avenir. Nous l'avons eue. Deuxièmement, il faut également à ce moment voir quelles sont les autres nations qui participent à cette demi. Parce qu'on ne fera pas de cadeaux. Au Luxembourg seul, n'est-ce pas? Parce que je peux m'imaginer que la France, l'Allemagne et tous les autres pays vont également se projeter sur ces projets une fois que ces projets prennent une certaine valeur. Mais ce qui est important, c'est qu'on ait en dehors des visions également des projets concrets. Et là, le gouvernement a initié un certain nombre de projets qui attirent également un certain nombre d'entreprises qui s'intéressent à ce space mining. Mais ce n'est pas pour demain. Je dirais, on parle du futur. Moi, je ne verrai pas. En tout cas, à mon âge, je ne verrai pas. Ça demande du courage, ça demande une vision claire, mais ça demande beaucoup de persuasion. Sur le plan international, et je peux m'imaginer, comme on l'a fait avec les fréquences sur orbite, je peux m'imaginer également qu'à un moment donné, il y aura une conférence mondiale qui va alors allouer des quotas aux différents États membres qui s'y intéressent. C'était comme ça qu'on a fait avec les satellites. Et on fera la même chose, sans doute,
sans doute, à mon sentiment, avec le space mining. Mais pour le moment, je ne peux pas me pencher sur le projet concret luxembourgeois qui est entré dans la législation, étant donné que je ne connais pas. Mais je parle de ma propre expérience. So this gives me maybe the opportunity to reflect on a little bit on research that I myself am doing as an historian of technology and Europe, where we study a lot these questions of regulation in the European sphere, and we came up with the concept of techno-policy and techno-diplomacy, so that you need experts that can play the dual game, having on the one side the technical or scientific expertise, but on the other side being able to negotiate these questions in political arenas. So it's really a question of regulation and dealing with these different actors in a very complex network. So my question to maybe Yves Mersch would be, what is the role, future role of experts in Europe? There are people saying that their role is diminishing. It's lobbyists, it's money, but experts are not being heard. I would like to broaden a little bit the question, because to come back on the question, is the diploma of this university giving you access to a job? No. What gives you access to a job is your training, your capacity to analyze, your intellectual capacity, and a university helps you to think, but it will not give you a job. And in a time where knowledge is changing so rapidly, it's those who are able to adjust themselves and to accompany the change which are able to get a job and to maintain their job. And that's why I think the two largest factors for the future in our society will be, one, the aging of our societies, which is a worldwide phenomenon, but particularly important in Europe. Don't forget that Germany, before you reach your retirement age, will not be the largest country in population in Europe anymore, having something around, let's say, 70 to 75 million. France will be the largest on the basis of the present projections, and having more than 80 million. This will have attitudes, changes in how we go about in Europe. The second large trend for the future is inequality. I think we have to deal with it. We had the question this morning which asked, can we do without growth? Of course, we have 8 years of experience without growth, and we have seen what it brings us. 30% of people who are against democracy. That is what it will bring us if we renounce growth. That does not mean that we should not look at the quality of growth and try to improve it and make it environmentally more sustainable. But without growth, we will not go forward. And there we have a problem. Old people are less innovative. At a moment where innovation is the determining factor in our societies, how will we maintain potential growth or productivity, in other words, when we have more and more old people? And that's why education is so important. And that's why an open frontier policy is also important, because Europe will need more people. But inequality has been diminishing among nations. We have been transferring through globalization knowledge and wealth to new countries, India and China, and also other ones, Africa being an exemption, it being an exception. But we will in the future still have to produce sufficient wealth in order to care for the old age. And of course, technological innovation is creating inequalities, because at the beginning it will destroy jobs before it will create new jobs. And at the beginning it will reward those who are the most nimble and who have the highest skills against those who have not renewed their skills.
That is simply a reality. Now let me come back to experts. Experts should never replace politicians. I think this would be a very dangerous approach. And that's why I wanted to recall that already in 1990, when we created the Maastricht Treaty, at that moment there was the analysis that there was insufficient democracy at the European level in the European institutions. We still are at the same level. If we want to transfer some elements of sovereignty from the national level to the European level for the purpose of efficiency, then we also need to transfer more democratic accountability into the European institutions. And that goes for the Commission, and that goes also for the Parliament. Let's not forget we have a Parliament that is co-legislator, but mostly for spending. The Parliament has nothing to say on revenues. What is that for a Parliament? Is that the real Parliament, or do we need to transfer? Who is preventing that? No, I just make an analysis as an expert, but I think we should be aware that real democracy has to accompany the development of European integration. But we are all aware that this needs treaty change. And treaty change, no one wants to do it. But we have to explain to the young people, and I think young generations are ready to accept that certain powers are more efficiently exercised at the European level than at the national level. But if we transfer those powers, we also need to transfer the accountability for those powers and to strengthen them at the European level. And therefore, we need also to develop Europe in the institutional dimension. Wow. That is a challenge, I would say, at organizations of all levels, also at the university. But I will give the floor now to Max, who is really has a question on this democratic deficit. Yeah, exactly. En fond, je veux dire hallo plötz, wo ich stellen die Frage, weil was ich ja gesehen in Europa, wir brauchen einfach eine neue Vision für Europa. Es kann nicht so sein, dass wir die alte Vision von den Treaty von ganz am Anfang noch weiterleben. Und das immer wird Frieden gefallen. Das Problem, wo ich da gesehen habe, Frieden ist immens wichtig. Wir freuen uns, Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, die haben zum Beispiel, oder auch Mitterrand auf der anderen Seite, die haben noch etwas richtig mit dem Krieg zu tun gehabt. Das ist, wenn wir die jungen Leute wollen begeistern, süß mit Frieden, das geht leider halt nicht durch, wenn ich das so darf. Dann haben wir den TTIP gesehen, wo ein Miklo absolut debattiert hat, wo wirklich nichts mehr rausgekommen ist. So Sachen, die bringen süß Leute auf die Straße und die demonstrieren gegen den TTIP und dann demonstrieren sie auch gegen Europa. Und dann, wenn ich dann den maltesischen Präsident oder den Premier von Malta also einen Diskurs gesehen habe mit dem Herrn Juncker für ein Parlament, wo ich da gesehen habe, wo manner Leute im Parlament sitzen, wie an dem Saal hier, habe ich mich auch gefragt, die Parlamentarier, sind die begeistert von Europa? Da war ja mal ein Embryo von einer Begeisterung zu spüren, wenn du wirklich... Also, Entschuldigung, weil du wirklich, die Parlamentarier müssen aber kommen, wenn du ein Kontrondu gemacht hast von einer Präsidentin. Wenn man so Sachen, TTIP und auch die Parlamentarier, die nicht kommen, die man lädt, du kannst die Jungen nicht begeistern. Natürlich, wir brauchen einfach eine neue Vision. Und wir wollen von den Herrn Turmes und am Reding fragen, wie die da meint, dass man eine neue Vision für Europa kreieren. Weil auch den Diskurs von Herrn Juncker haut, und auch den vom 13. September, mir hat ein bisschen die Vision gefehlt, die große Vision. Und 10 Jahre ist eine Vision da, mir aber. Und 20, 30 Jahre, weil wir selber können, und wir und Enkel können, du hast nicht viel du, und wir haben eine Digitalisierung, entschuldigt, wir selbst haben noch nie gesehen, und dafür brauchen wir auch eine Vision für Europa. Weil sonst mit Europa können wir Amerika Konkurrenz machen aus China. Monsieur Thomas. Merci für die Courage, ich bin froh. Also, vielleicht zurückzukommen auf die Bilder, die im Fernsehen waren, wo dann Herr Juncker ein bisschen auf eine relativ populistische Art und Weise gesagt hat, das lächerlich, das geht nur. Den Debatt, du musst wissen, wenn ein Premierminister noch eine Präsidenz kommt und auch noch eine Präsidenz, wo nicht viel gelaufen ist, dann, also ich meine, ein Problem als Deputierten ist Zeit. Die muss nicht mengen, dass von mir nicht an der Plenum wird, das also sind ständig parallel Reunionen. Und das Problem, ist, den sie stellen am Europaparlament, das heißt, wie sind die Bahnen organisiert? Was aber nicht hindert, dass insgesamt es wichtig ist, dass Deputierten hier erbisch machen. Und ich meine, dass man das auch an der Regel probieren zu machen. Ich will denke, zurückkommen, ob also irgendeine Vision gehen.
was ist als Gefahr im Moment? Die muss mal zwischen den Zeilen lesen, wenn über die Eurozone geschwärzt wird. Die muss mal den Spiegel lesen von dieser Woche, die dem Schäuble sein Papaya analysiert hat. Weil was der Macron am Großteiler von CDU, notamment der Schäuble wollen, das ist zurück auf 1984, wie nach kein Europa... 84, wie kein Europaparlament ging aus, weil demnächst wird das Europaparlament ein Nationalparlamentär zu dahinter geschickt. Den Herr Macron und den Herr Schäuble, die wollen, dass es eine Eurozone gibt mit nationalen Parlamentären als Exekutivüberwachung. Und wenn wir das machen, dann sprangen wir an den europäischen Institutionen nur hin. Dafür ist es wichtig, dass wir wirklich seriös debattieren über, was ist der Kontinu von der Eurozone, an wen überwert die Eurozone. Und die Eurozone die kann nur überwert gehen vom Europaparlament und nicht zurück quasi 30 Jahre. Das ist Politik heute. Die muss wirklich auch zwischen den Zeilen lesen. Und dann vielleicht noch viel geguckt, du hast Digitalisierung, das ist eine monumentale Herausforderung für Politik. Das ist eine monumentale Herausforderung, was ist dann Datenschutz konkret? Und das wissen wir seit dem Snowden, wissen wir ja, dass das nicht nur quasi Leute ausspioniert, die nicht gerne mit, das war ja auch Wirtschaftsspionage im ganz großen Stil. Und dann da haben wir drin als froh von den Ressourcen von einem Land. Was Google, Apple, Facebook, Airbnb, Uber, nirgends 2% Steuern bezahlen. Wie mengt ihr dann? Dass wir Schulen finanzieren, Recherche finanzieren und so weiter und so weiter. Das heißt, wir haben ganz wenig Jahren Zeit. Wir brauchen unbedingt, ich schreibe nur vier, an der Besteuerung von der Internetökonomie. Ernstes gibt es keine Ressourcen. Und das, was mir vorschlägt, oder was mir vorschlägt, ist, dass wir endlich die Internetunternehmen, die ständig fuddeln bei den Steuern, dass wir die besteuern und dann suchen dürfen holen an den europäischen Budget. Weil das ist die eine aktuell froh. Wenn die Engländer rausgehen, wenn die Briten rausgehen, 10 Milliarden Männer am europäischen Budget pro Jahr. Und dann geben wir da 2,5 Milliarden mehr aus für Panzer zu bauen. Das heißt, da fehlen pro Jahr 2,5 Milliarden für Sozialpolitik zu machen, Forschung zu machen, Umweltschutz zu machen. Das ist die Realität am Jahr 2021. Es sei denn, wir bringen es fertig, nur ganz schnell Majoritäten zu organisieren für own resources, das heißt Taxen auf den Internetunternehmen, die auch zum Teil an den europäischen Budget gehen. Taxen auf Klimaverschmutzung, wo ein Teil davon an den europäischen Budget geht. Weil sonst haben wir das Problem, dass wir Anfang an 20er Jahren, dann haben wir nach meiner Meinung wie wir haben. An den Internetökonomie, die geht immer mehr groß, aber wenn die nicht auch bezahlen, dann verlieren wir immens Meier an einer Welt und nicht mehr schon recht, die tendenziell immens Potenzial hat, für mehr ungerecht zu gehen. Merci. Was der Claude Thomsler gerade gesagt hat, dass erstens, wir brauchen ein europäisches Budget, das der Budget ist, weil den ist für den Moment nur 1% vom Reichtum von Europa, das ist lächerlich, damit kann ich nicht viel machen, aber besonders nicht das machen, was ich müsste machen, für das Europa stärkt. Denn Jean-Claude Juncker hat für die Rundzölle genannt. Nicht gesagt, wie wir am Gange sind, par rapport zu China, Indien, Amerika, all denen anderen großen Kontinenten, mit Klang zu gehen. Das heißt, wenn wir nicht fertig bringen, erst etwas zu überlassen, wo wir können zusammen als stärkt noch Bausen weisen, da gehen wir unergebottert. So einfach ist das. Und dafür brauchen wir nicht, wie den Herrn Macron an den Herrn Schäuble gesagt haben, und so sind ich aufverstanden mit meinem Kollegen, wir brauchen nicht eine Zerstückelung von Europa und nach mehr Klangparlament. Wir haben ein Parlament, das Europaparlament. Das trifft Entscheidungen über sämtliche europäische Gesetze, die dann an den Nationalstaaten appliziert gehen. Und das müssen wir ausbauen. Und dann möchte ich mich rosen, wenn ich dann so Polemiken höre, wie die Diallo gerade gesagt hat. Ja, weil die gehen über die Medien.
Für was? Also, die Europa Ich bin aus Protest nicht an die Dohe Sitzung gegangen, weil ich nicht wollte hören, einen korrupten Chef d'État, den du erklärt hast, was alles nicht fertig bräuchte für 6 Monate. Wir wären aber, wie der Jean-Claude Juncker seinen ganz wichtigen Schritt gehalten hat über die Zukunft von Europa, da war Plenär voll, weil du als etwas geschieht. Ich gehe nicht auf irgendetwas da, weil sonst sitzen ich dort, sie sitzen, ich mache den Blumenstock und ich schaffe nicht. Die Europaparlamentarier haben zu schaffen, die haben Gesetze zu machen und die haben ihre Wähler responsabel zu sein, aber wann ich gelebt, nicht in Tirlititi, wenn du einen, den eigentlich müsste für ein Gericht stehen, an den 6 Monate nicht geschafft wird, von denen sich dort die schönen Menschen kommen, nee. Da gehe ich nicht hin. Ja, ich will auf meinem Reding vielleicht antworten. Ich will auch keine Polemik machen. Die Einzige, was ich will, Politiker so aus. Wenn mir die jungen Leute von der Mutter ein Boot holen, muss ich mir die Herzen von den Leuten erreichen. Das klingt vielleicht ziemlich blöd. Wenn durch die Bilder, wo sie produziert, gehen in der Währung Umstand auch immer. Das sind die Leute, das sind negative Impulse, wo die junge Mutter, oder die junge Generation immer auf den Weg geht. Und da kommen so Polemiken, wie der selber sagt. Schön, dass du vielleicht als Beispiel gehst, war vielleicht kein gutes Beispiel. Ich muss den Leuten mit den Gefühlen holen, für Europa begeistern. Aber wenn ich das nicht kriege, da sehe ich einfach keine Zukunft für Europa. Und das war mein Message, wo ich mal auf den Weg gehen als Politiker, für mich mit Leuten mit dem Herzen zu berühren. Weil den Friedensprojekt, den hat die Leute wirklich berührt. Und wir müssen nur so ein neues Projekt finden, wo die jungen Leute mal ein Boot können holen. Das war nicht mehr und nicht mehr. Ich wollte keine volle Arbeit, Diskriminierung oder so. Das ist sicher. Ich meine, du, ich wollte auch keinen Hühner schon unter den Mund spielen. Über den Punkt sind wir auch sicher. Vergangenheit als Geschichte, die geht dann Center for History gemacht. Ja? Zukunft, das sind Aktionen, die lo an den Weg gelegt gehen, für das wir Zukunft können manövrieren. Ich meine, du hast ein ganz gutes Beispiel gekriegt, wie der Jacques Santer erzählt hat, wie hin demals Lützeburg zum Weltsatellitenzentrum gemacht wird. Du hast kein Druck gelebt. Und hat eine Vision für die Zukunft und hat sie umgesetzt. Ja, und in dem Sinn muss man Orlos schaffen. Der Jean-Claude Juncker hat gesagt, wir können das Europa nicht weiterbauen, wenn man nicht zum Beispiel das Sozialelement, was ein Element ist, wo eigentlich Nationalstaaten zuständig sind, aber sie machen es nicht. Wenn wir das nicht an die Hand holen, und dafür müssen wir auf so weit gehen. Und dann zum Beispiel eine Diskussion feiern mit den Jungen, was stellt ihr euch dann für? Was ist das, was ich berühre? Das soziale Element ist eh von den, aber auch, das ist schon angeklungen, über Europa zu summen, schwätzen und zu summen, dezidieren, Europa an den Schulprogrammen zu holen, matt können zu schwätzen an den Dialogen, für den Politiker dann zu sagen, geht auf die Dohendirektion, lasst das einer auf der Seite. Also das gebe ich echt der Gesinn für die Zukunft, wie über Allgemeinheiten zu reden, die Chemie vom Stuhlrappen haut. Das ist, was wir hier konkret machen. Und unfortunately have to stop the debate right now because time has so quickly passed. We have touched upon a lot of important, urgent, and I would say decisive topics for the future of Europe. So let me thank all of the participants of this round table for the engaged questions, for the engaged answers, for you being present to discuss this with us today. But let me also finish by saying that we continue discussing this. We are a Center for Contemporary and Digital History. We have a website. We want this debate to go on online. We have numerous future projects and meetings organized where we will engage in that very same direction. Tonight we have lots of experts all around Europe to discuss how to write
the history of Europe in a new way. I think all agree that we have to teach youth European history in order to understand how we became what we are and to understand what we gained with this unity in the last 60 years. And that's, of course, our job as historians to do that in schools and at the university. But we not only have to touch the youth by their hearts, but also by their mobile phones. I'm convinced of that, and that's what we are trying to do. Let me thank, first of all, our main partner in organizing this event, la représentation au Luxembourg de la Commission européenne, et dans la personne ici présente de Yuriko Backes. Thank you very much. All the other partners, all the many hands that helped us organizing this event, but first of all, the, I would say, spiritus rector of this event, Dr. Elena Danescu. Thank you very much, Elena. So I hope to see you back again soon at another Forum Z or some other activity at the university. Thank you very much. Voilà.